Il est 15h, Jean-François, tu veux qu'on commence? Bah écoute, oui, on peut y aller. Enfin, je pense que je sais pas combien on avait d'inscrits, on a déjà 300 personnes en ligne. Il y a 300 personnes déjà qui sont là et le live sur Facebook est aussi en cours. Donc je pense qu'on peut commencer. Et avant de te laisser la parole, je vais essayer de présenter rapidement ce que la SOFP fait pendant ce confinement et notamment l'action qu'on a eue cette semaine. Avec la lettre au président de la République pour resituer si les gens ne l'ont pas encore vue. Tu me laisses la parole alors, quelques Compris, minutes. vas-y Romain, vas-y. Super. Déjà, merci à tous d'être à nouveau là pour une troisième webinaire, quatrième webinaire, après celui de Chloé, le mien et celui de Mathilde. N'oubliez pas que vous pouvez revoir sur la page de la SOP tous les webinaires. Ils sont en live et donc n'hésitez pas à aller les revoir. Personnellement, j'ai eu plusieurs petites questions. N'hésitez pas non plus à envoyer des questions si vous en avez sur le webinaire. On essaye d'y répondre. J'ai eu personnellement des questions sur le Silver Diamine Fluor et j'y ai répondu notamment dans une deuxième vidéo avec des questions. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre et c'est avec plaisir. Un peu de publicité en préambule pour les deux prochains webinaires qui vont arriver. La semaine prochaine, ce sera sur préserver sa trésorerie pendant la crise du Covid et comment la reconstituer post-Covid avec David El-Krabli et Denis Krief qui sont partenaires de la SOP avec Sidel. Et donc, sur 1 heure, vous expliqueront tout ce qu'ils peuvent y avoir. Tout ce qu'ils peuvent vous dire. Et jeudi 7 mai, donc le lendemain, on en aura deux webinaires la semaine prochaine sur la rage de dents, le stress du confinement, quelles leçons pour après avec Philippe Pancalé, voilà, pour essayer de mieux gérer la suite et le retour à l'activité, parce que je pense que c'est ça qui nous importe tous et qui est important pour finir. On finira notamment par une séance d'hypnose. Philippe Pancalé s'occupe du cycle hypnose à la SOP. Et n'oubliez pas, ça aussi, pour les prochaines années, c'est quelque chose qui est très important de gérer l'anxiété. L'hypnose est là pour vous aider, n'hésitez pas. Mais revenons au sujet un petit peu plus brûlant de la semaine. C'est la lettre ouverte que la SOP a adressée au président de la République. Elle a été adressée donc le 24 avril et nous l'avons diffusée sur les réseaux sociaux. Par la suite, il y a déjà eu pas mal de commentaires et de retours sur la lettre. Les points importants de cette lettre sont notamment que le chirurgien dentiste est un professionnel de santé et que, bien sûr, on ne veut pas être oublié par nos ministres de tutelle, par notre ministre de tutelle notamment, que pour la reprise, il faut pas être à poil, qui était l'autre activité brûlante de la semaine. Donc, le matériel qui est indispensable vraiment pour la reprise, on l'a rappelé dans cette lettre. Et enfin, la SOP propose d'être actif, d'avoir une participation active dans le dépistage, parce que, en plus de ne pas être à poil, il ne faut pas être non plus à l'aveugle. Et c'est vraiment important, de mettre ça en avant. On a pour cela aussi mis une pétition en ligne qui a déjà presque 2500 soutiens, avec le hashtag ni à poil ni à aveugle. Elle est sur donc change.org. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore signée, à aller la signer. Ça nous fera plus de soutien et ça nous permettra d'encore plus appuyer notre demande. Nous avons eu quelques soutiens de parlementaires, notamment des sénateurs et des députés qui nous ont apporté leur soutien. Et il y a notamment une question au gouvernement qui a été acceptée, qui a été publié normalement le 30 avril par la députée par la sénatrice LR du Jura Marie-Christine Chauvin, qui reprend notre lettre dans les termes et qui devrait permettre d'avoir une question, voilà, qui permet d'avoir des réponses, et on espère pouvoir avoir des réponses sur le sujet. Donc n'hésitez pas à partager cette lettre à vos députés, sénateurs, maires, ça viendra en appui de la SOP. Nous, de notre côté, nous faisons aussi la même chose en envoyant. Vous pouvez retrouver donc sur le site sur le site Facebook de la SOP toutes les informations, sur le site de la SOP ou nous écrire par email. On vous transmettra le PDF de la lettre et quelques éléments de langage qu'on peut vous communiquer pour pouvoir interpeller vos députés, maires. C'est vraiment important parce que c'est ce genre de choses qui vont permettre de faire avancer
Le déconfinement pour nous dentistes. Ah, pourquoi ça marche plus? Tac. Dernier volet, on est en train de finaliser un guide pratique pour la reprise. Donc, on est encore en train de travailler dessus et on espère pouvoir, en préambule de la semaine prochaine, pouvoir vous le présenter. Là, on est encore sur un brouillon d'élaboration et il va être bien amélioré pour qu'on puisse vous proposer quelque chose de vraiment pratique pour la reprise, en reprenant les recommandations qui vont arriver aussi de différentes tutelles. On a énormément de recommandations qui arrivent de partout. Le but, c'est vraiment que ce soit très pratique et simple à mettre en œuvre. Et parce qu'on peut être, peut être perdu parmi toutes les recommandations. Donc ça sera un travail qui va être finalisé et je pense que vous l'aurez la semaine prochaine. Mais en attendant, revenons à Jean-François qui a la parole pour prévenir et gérer les complications en dentisterie restauratrice. Et moi, je le retrouverai à la fin de cette conférence pour une séance de questions-réponses. Je vais compiler toutes les questions qui peuvent être sur le module de conversation. Donc, n'hésitez vraiment pas sur le module de conversation à poser vos questions et il y répondra à la fin pour une petite vingtaine de minutes. C'est bien ça, Jean-François? Voilà, on va essayer de faire une vingtaine de minutes. Si jamais j'ai des questions qui apparaissent également en direct sur un écran séparé, donc s'il y a une question qui est particulièrement pertinente et qui mérite qu'on arrête la présentation pour y répondre, je n'y citerai pas non plus, mais on va essayer de les grouper au maximum sur la fin, sur une vingtaine de minutes, tout à fait. Ben merci beaucoup et donc n'hésitez pas en attendant à aller signer la pétition pour les gens qui n'étaient pas encore arrivés et transférer à vos patients, à tout le monde pour que comme ça, il y ait le plus de soutien possible. Merci, bon webinar et à tout à l'heure. Allons-y, on va commencer avec bien sûr le petit bug du logiciel qui nous a lâché entre temps. Hop, c'est bon, on y va. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de l'ensemble des complications qu'on peut avoir en dentisterie restauratrice. C'est hélas quelque chose qu'on a assez régulièrement puisque la dentisterie restauratrice est partie des grosses parties de notre activité. Alors, très drôle, la présentation qui fonctionnait magnifiquement refuse de se lancer. On va quitter Keynote et on va repartir. Je crois qu'on a perdu Jean-François. Je pense qu'on a perdu Jean-François. Il a dû avoir un problème avec son diaporama. Donc, je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. Donc, désolé pour ce petit intermède. Hop. Mais je ne le vois plus connecté. Oui, il n'est plus connecté. Donc, je pense que voilà. Oui, ou alors c'est ça. Oui. Bon, dès qu'il se connecte, on le re... En attendant, je vais remettre hop, notre look. Ah, n'oubliez pas, je remets la pétition en ligne comme ça.
Jean-François, tu nous entends? Est-ce que tu le retrouves, Catherine, pour lui redonner la main? Non, je ne le retrouve pas. Il semble avoir perdu la connexion, en fait, tout simplement. Ça, c'est les aléas du direct, comme on dit. En ce moment, on connaît bien les aléas du direct quand on regarde tout ce qui se passe. Il y a des gens qui posent la question, c'est quoi cette pétition, s'il vous plaît? Est-ce que Romain, tu veux en parler un peu plus? Eh ben, je peux réexpliquer, parce que peut-être que des gens n'étaient pas encore arrivés. Donc, la pétition, c'est en soutien de la lettre que la SOP et donc l'ensemble du conseil d'administration a rédigé et envoyé le 24 avril à la présidence de la République. Donc, cette pétition, elle porte, comme je disais tout à l'heure, sur... le fait de mettre les chirurgiens dentistes au cœur du système de santé et en tant que professionnel de santé à part entière, et donc bien sûr la nécessité du matériel pour la reprise. Et la deuxième chose, c'est la particularité de cette lettre, parce que c'est vrai qu'on est tous en train de demander bien sûr du matériel, et je pense qu'on a des syndicats, de l'ordre, on a plein de gens, l'ADF, qui fait en sorte d'aller, et on espère avoir des réponses rapides. Mais là, la particularité de la SOP, c'est la participation active dans le dépistage. Parce que, d'où le hashtag « ni à poil, ni aveugle », le but étant d'essayer de connaître le statut, si on peut avoir le statut par rapport au virus, le statut immunitaire. C'est des questions qui sont encore toujours en réflexion. Ah, ben on a retrouvé Jean-François en attendant. Mais voilà, c'est des choses qui sont encore en réflexion sur quel test, quelle est notre place et comment on pourra le faire. Mais en tant que professionnel de santé, on doit pouvoir faire partie du maillage, notamment en libéral, pour assurer ce que le Premier ministre a annoncé hier, la partie dépistée pour assurer et pour pouvoir soigner en sécurité nos patients et assurer aussi la protection de notre personnel et de nous-mêmes. Voilà, on a retrouvé Jean-François. Voilà, oui, désolé, j'ai eu un gros bug en fait ici avec tout simplement l'électricité qui a lâché. Ça arrive. Donc voilà, tout est reparti. J'avais plus de lumière pendant un moment. J'ai réexpliqué ce que c'était que la pétition et la lettre. Donc voilà, merci. Donc, certaines personnes pour ce... qui... Désolé pour ce contretemps. Et donc, je vous disais, aujourd'hui, on va parler de prévenir et gérer les complications en dentisterie restauratrice. Et pour ceci, en fait, quand on veut garder le contrôle, il y a quatre éléments fondamentaux qu'il est très important de garder en mémoire. D'une part, c'est d'avoir un bon diagnostic. Ça paraît relativement évident. D'avoir un plan de traitement qui tienne la route en fonction du diagnostic qu'on a fait. D'avoir une très bonne communication avec le patient, et on voit que quand il y a vraiment des soucis entre le patient et le praticien en dentisterie restauratrice, c'est souvent en fait qu'il y a eu de mécompréhension sur le traitement parce que la communication n'était pas correcte. Cette communication est vraiment importante. Et puis ensuite, on va voir également qu'il nous faut un bon suivi, bien évidemment, comme pour tout soin dentaire, le suivi est très important. Alors, ce diagnostic, il est bien évidemment réalisé en première partie par une écoute. L'écoute, c'est surtout comprendre les attentes de notre patient, essayer de retrouver son historique. On ne va pas lui proposer un soin qui a déjà été fait plusieurs fois et qui a montré des faiblesses. Donc, on va essayer d'avoir un petit peu une anamnèse de ce qui a pu être réalisé. Et puis enfin, il faut essayer d'estimer l'état d'esprit du patient. Est-ce que c'est un patient qui sera coopérant? Est-ce que c'est un patient méfiant, peureux? Et en fonction de ça, on va non pas adapter notre temps de traitement, mais en tout cas adapter la communication qui va avec. Et c'est très important. Il faut savoir que lorsqu'on fait une étude psychologique des réactions des patients, pour avoir une acceptation maximum du traitement, il faut passer d'abord par l'observation du patient, c'est-à-dire voir un petit peu quelle est sa communication non verbale, puis ensuite l'écouter, l'informer,
des différentes méthodes qui sont à notre disposition et ensuite le conseiller sur la méthode que l'on a choisi d'utiliser pour lui. Si on respecte cette courbe, en fait, cette flèche vers le conseil, systématiquement, on aura une acceptation qui sera bien meilleure et surtout une bonne compréhension de la part du patient du traitement proposé, ce qui va éviter beaucoup, beaucoup de problèmes par la suite. Alors, ce diagnostic, ben, avant tout, ce sera l'examen clinique, hein. On a un outil qui est merveilleux pour ça, qui s'appelle l'œil, mais il ne faut pas hésiter à se faire aider par des aides optiques, en particulier d'avoir des loupes grossissantes ou idéalement un microscope opératoire qui permet d'avoir un diagnostic plus fin, de repérer des petites choses qu'on ne pourrait pas forcément voir et qui quelquefois nous évitent d'aller vers l'écueil, mais on en reparlera tout à l'heure. Bien évidemment, l'examen radiologique et surtout ne vous lancez jamais dans une reconstitution quelle qu'elle soit sans prendre la peine de faire une radiographie, même si ça vous paraît être une lésion carieuse relativement facile à traiter, on peut avoir des grosses surprises et ne pas prévoir le bon plan de traitement uniquement parce qu'on n'avait pas toutes les informations à disposition. La radiographie panoramique dentaire peut être également un bon outil. Et puis, en dernier lieu, le CBCT, qui en dentisterie restauratrice n'est pas toujours très utile, mais quand même peut nous sortir de certains écueils avec une vision en trois dimensions de ce qui peut se passer, surtout en arrière de certains murs osseux qui sont particulièrement denses et qui pourraient nous masquer des lésions avec des radiographies classiques deux dimensions. Dernière chose qui peut nous aider dans le diagnostic, n'oublions pas les bonnes vieilles méthodes comme le test au froid ou test au chaud, ou des choses un peu plus techniques comme le diagnodent qu'avait fait Cavo. Et maintenant, vous avez pas mal de caméras qui vous proposent en fait des fréquences de lumière qui vous permettent d'avoir une meilleure visualisation des caries et des tissus qui sont déminéralisés, donc une aide à la détection de caries, ce qui peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, notre plan de traitement, il va essentiellement dépendre de la vitalité ou non de la dent, et surtout de la qualité du traitement odontique qui va être visible, de l'importance de la perte de tissu et de l'importance de la lésion, bien évidemment, de sa localisation, on ne traitera pas forcément d'une façon équivalente une incisive qu'une molaire, et surtout de l'hygiène et de l'observance du patient. On sait très bien qu'il y a certains soins qui fonctionnent parfaitement à condition d'avoir une hygiène tout à fait correcte, et que certains patients qui ont une hygiène moyenne, eh bien, ne sont pas éligibles à certains soins. Et ça, on en reparlera d'une façon plus claire tout à l'heure. Et puis surtout, n'oublions pas les facteurs généraux comme l'occlusion, la mastication unilatérale, le bruxisme, des patients particulièrement avec une mastication particulièrement musclée qu'on repère lors de l'examen clinique et qui peut-être contre-indiqueront certains matériaux ou bien certaines techniques. Ce plan de traitement, une fois qu'on l'a choisi, qu'il est clair dans notre tête, il faut donc le communiquer, il faut l'expliquer au patient. Il faut expliquer le but du traitement. Chose très importante aussi, expliquer les complications possibles. Et lorsqu'on travaille sur une dent vitale, bah, les complications les plus évidentes, c'est le risque de perte de vitalité, qu'on peut prévoir quelquefois grâce à l'examen radiologique et quelquefois qui nous surprend nous-mêmes aussi. Il faut savoir répondre aux questions et aux objections du patient et surtout savoir le rassurer, puisque nous sommes le professionnel, nous avons la connaissance clinique. Donc, on doit lui montrer qu'on est tout à fait apte à réaliser le traitement qu'on va lui proposer et qu'on est tout à fait apte également à répondre à l'ensemble de ses objections. Est-ce que le son est bon pour vous? Romain, le son est correct? Le son est tout à fait correct. On a souvent des questions des gens qui n'acceptent pas, en fait, il faut bien aller sur la petite flèche à côté du micro et voir si test du haut-parleur et du microphone et regarder si pour chacun si ça marche. Mais D'accord. moi, je t'entends très bien et c'est très, très intéressant ce que tu nous diras pour raconte là. Donc, je te laisse continuer. Merci, Merci Jean-François. Romain. Donc, il faut surtout ne pas oublier une chose, c'est que la capacité d'écoute de nos patients est quelque chose de limité. Votre patient va avoir votre attention, surtout quand vous allez lui parler de quelque chose d'un petit peu technique, pendant une maximum d'une trentaine ou quarantaine de secondes, pas au-delà, c'est très peu. Et donc, il faut être très bref, très précis dans sa communication, surtout éviter les termes techniques. Et le plus important, il faut vérifier le bon passage de l'information, être sûr que le patient a bien compris le traitement que vous avez réalisé et a compris
également les risques possibles du traitement, c'est-à-dire l'évolution possible vers, par exemple, si c'est une simple lésion carieuse, un traitement de racine. Si c'est une couronne sur une dent qui est extrêmement abîmée, ben savoir que peut-être la couronne n'aura pas une durée de vie importante et qu'on risque d'aller par la suite vers un implant. Il faut vraiment que cette information soit passée. Si l'information passe correctement, vous allez véritablement éviter un nombre d'écueils incroyables, en tout cas au niveau de la communication patient-praticien. Le plan de traitement, il se doit d'abord d'être le plus économe possible en tissu sain. Ça, c'est l'économie tissulaire qu'on connaît tous. Et surtout, assurer la pérennité du soin qu'on va réaliser. Donc, ça, c'est vraiment, dans le plan de traitement, il faut vraiment avoir absolument ces deux éléments bien, bien en vue. C'est ce qu'il y a de plus important. Lorsqu'on va être en face d'une dent qui est pulpée, l'idéal, c'est d'avoir en fait un arbre décisionnel qui soit assez précis à mettre en place. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une décision relativement homogène, quelles que soient les dents. Déjà, on va évaluer la proximité pulpaire de la lésion qu'on doit traiter. Est-ce qu'on est tellement près de la pulpe ou même la pulpe est déjà touchée, même si la dent n'est pas dévitalisée au moment où le patient vient nous voir? Dans ces cas-là, on n'hésite pas à aller directement vers le traitement de racine, bien évidemment. En revanche, si on voit qu'on peut conserver la vitalité, même si on a un doute, on commence par le nettoyage de la dent, donc l'élimination de l'ensemble des tissus qui sont infectés ou affectés. Et à partir de là, on va réévaluer ce qui se passe. Est-ce qu'on a une pulpe qui est suffisamment à distance? Et suffisamment à distance, il suffit d'avoir extrêmement peu de tissu sain hein, entre la partie la plus profonde de la lésion et la pulpe pour pouvoir être considéré comme à distance. Et dans ces cas-là, on va juste évaluer les parois résiduelles, hein, ce qui est un peu la valeur de la dent résiduelle. Si on se rend compte qu'on a une effraction pulpaire, là, on va devoir réfléchir et se dire, est-ce qu'on peut réaliser un coiffage pulpaire? Est-ce qu'on est dans les cas où un coiffage pulpaire peut fonctionner? Ben, sinon, hélas, on repart sur le traitement de racine. Mais si le traitement peut fonctionner, eh bien, on va revenir en fait, dans le cadre du traitement classique. On va faire le coiffage pulpaire et puis réévaluer les parois résiduelles. Et puis, en fonction de ces parois résiduelles ensuite, on va voir si on peut faire une restauration directe ou s'il est préférable de faire une restauration indirecte. Bien évidemment, il n'y aura pas seulement l'évaluation des parois résiduelles qui va nous guider, mais également l'évaluation de l'hygiène du patient, de son observance, de son type d'articulé également. Pour une dent dépulpée, l'arbre décisionnel va être un tout petit peu différent, puisqu'on va déjà vérifier si le traitement cannellaire nous paraît étanche et radiologiquement correct. Alors, l'étanchéité, elle est assez facile à traiter quand vous avez déposé l'obturation ancienne qui vous impose de réintervenir. Il suffit quelquefois de piquer un peu avec la sonde sur l'entrée des canaux pour voir si vous avez véritablement une résistance, si votre sonde rentre facilement. Et on se rend compte qu'énormément en fait, de traitements paraissent tout à fait corrects à la radio. Mais en fait, quand on regarde, c'est juste de la pâte d'obturation qui a été mise en place. Et cette pâte d'obturation, elle est énormément résorbée. Et si vous pressez un petit peu à l'entrée des canaux, votre sonde entre relativement facilement. C'est ce qu'on appelle des canaux peints. Ils sont peints à la pâte d'obturation, mais il n'y en a plus du tout à l'intérieur. Ce sont des dents qui peuvent être radiologiquement tout à fait correctes. Et en fait, quand vous allez réintervenir, eh bien, vous allez perturber cet équilibre très très précaire qui existe et les bactéries vont réapparaître dans le canal et vous allez avoir en fait une lésion endodontique secondaire qui va apparaître, qui peut être due à votre traitement, même si c'est en grande partie à cause de l'insuffisance du traitement canalaire. Donc, on vérifie s'il est correct. S'il est correct, eh bien, on va repartir sur notre évaluation de paroi, hein, classiquement. Par contre, s'il n'est pas correct, on envoie ou on reprend le traitement avant de faire cette évaluation. Et ensuite, on va regarder s'il y a beaucoup de dents dévitalisées aujourd'hui et pour lesquelles il reste beaucoup de parois résiduelles. Et dans ces cas-là, on va pouvoir réaliser une restauration partielle, qu'elle soit directe ou indirecte, et qui va nous permettre d'éviter en fait, la couronne et toujours être dans ce cadre d'économie tissulaire maximum. En revanche, s'il y a peu de parois résiduelles, si on se rend compte qu'il va être extrêmement compliqué de restaurer la dent par une simple restauration, eh bien, on peut en venir à une restauration à évaluer la rétention de ce qui reste de la dent, savoir si on peut faire une simple couronne sans ancrage, ce qui est aujourd'hui considéré comme l'idéal, ou alors si on va être obligé de mettre un ancrage radiculaire, ce qui va être, en termes de pérennité, quelque chose qui sera inférieur. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous montrent que lorsqu'on peut faire une couronne sans ancrage, la pérennité de la couronne est plus importante que quand on est obligé de mettre un ancrage radiculaire.
Tout ça, en fait, dans le but, hein, de rester dans ce qu'on appelle ce gradient thérapeutique, quelque chose qu'on entend de plus en plus, qui est pas nouveau, mais qui est important de rappeler un petit peu. Ce traitement, ce gradient, il commence par la prévention, bien évidemment, l'acte le plus en amont possible. Et puis, on va avoir ensuite la micro-dentisterie adhésive qui va nous permettre de traiter des toutes petites lésions avec les matériaux que l'on a aujourd'hui, les composites et l'adhésion avec toute la qualité qu'on lui connaît. Dans le cas de lésions plus importantes, on aura les restaurations directes. Ensuite, si c'est plus important, on aura la restauration partielle indirecte. Dans le pire des cas, si vraiment il ne reste plus de paroi, mais que la dent peut être gardée vivante, on aura une couronne sur dent vivante. L'étape suivante va être l'obligation de faire le traitement canalaire de la dent, et donc on passe sur une dent dévitalisée. Mais même chose, est-ce qu'on va pouvoir faire peut-être une restauration partielle, indirecte ou directe, sur cette dent dévitalisée? Ou bien est-ce qu'on fera une couronne? Et encore, dans le cas de la couronne, est-ce qu'on pourra la faire avec ou sans ancrage? Et puis, quand on arrive au maximum de ce gradient thérapeutique, on a l'élimination de la dent et son remplacement par un système de type implant. Il faut savoir que les paradigmes évoluent, en fait, et une dent dévitalisée aujourd'hui n'est plus systématiquement couronnée. Sur un cas comme ça, où on a une dent donc, qui a dû être dévitalisée à cause d'une lésion carieuse qui était relativement profonde, mais qui a finalement extrêmement peu détruit les parois périphériques de la dent, on a perdu juste un mur, eh bien, dans ces cas-là, on peut se dire qu'une restauration indirecte, une restauration partielle directe est tout à fait indiquée. Et on va pouvoir, en fait, en faisant bien évidemment quelque chose qui soit sous digue propre, faire une reconstitution et reconstituer la dent. On a quelque chose qui tient tout à fait la route, puisque à 4 ans post-op, hein, on revoit la même dent. C'était à l'occasion d'un détartrage, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de sang autour de la dent. Eh bien, on voit que la restauration a parfaitement tenu. On est à 4 ans post-op et on sait que cette restauration, chez ce patient qui a un bon suivi au niveau paro et qui fait bien attention à son hygiène, ne posera aucun souci. De même qu'une dent dévitalisée n'est plus systématiquement couronné, c'est pas pour ça non plus qu'on ne va plus du tout réaliser de couronne, parce qu'il est très important d'analyser, on en parlait, les facteurs généraux. Et dans un cas d'un patient bruxomane comme ça, personnellement, je ne m'amuserai pas à ne pas faire de couronne, de peur que les forces de mastication viennent provoquer des dégâts très importants sur une dent dévitalisée. Et dans ces cas-là, on a peut-être un risque de fracture de la dent. Donc, dans un cas comme ça, bien évidemment, il va falloir réfléchir. De même que si vous voyez un patient comme ça avec une morphologie très asymétrique qui vous montre que c'est un patient qui mastique d'une façon très unilatérale, eh bien, si vous avez une restauration à faire du côté où il mastique et où il mastique essentiellement, eh bien, il faudra réfléchir au fait de peut-être faire quelque chose de plus costaud. Alors que si vous êtes sur le côté opposé à la mastication, celui que le patient, hélas, n'utilise quasiment pas pour la mastication, vous pourrez faire une reconstitution indirecte d'une façon beaucoup plus sûre, puisque les forces qui seront appliquées à cette restauration seront très inférieures. D'où l'intérêt de vraiment toujours avoir une vue générale pour absolument éviter d'entrer dans les pièges. Et puis, on disait que les paradigmes évoluent, et donc l'ancrage radiculaire n'est pas toujours souhaitable, n'est même plus souhaitable aujourd'hui si on peut l'éviter. Lorsque l'on a une dent que l'on prépare et qui a ce type de forme, il n'y a aucun intérêt à aller la dégrader plus dans le seul but d'aller réaliser un ancrage radiculaire. On aura, avec les collages qu'on a aujourd'hui, une excellente tenue de notre couronne. Et le fait qu'il reste énormément de tissus sains et qu'on ne les a pas éliminés dans le seul but de réaliser un tenon, fait que si par malheur, dans quelques années, il faut réintervenir, il restera suffisamment de base pour faire quelque chose d'autre. Toujours dans ce gradient, en fait. Moins on arrive sur l'extrémité du gradient, plus la dent peut rester longtemps sur l'arcade. Par contre, dans les préparations de ce type-là, où là, on n'a vraiment plus du tout de rétention de la part pour une couronne, il est bien évidemment indiqué de réaliser un ancrage radiculaire. Un ancrage, mais pas n'importe quel ancrage. Le vieux paradigme de l'ancrage dont la profondeur doit être égale au minimum à la moitié de la longueur de la racine est un paradigme complètement aujourd'hui éculé, et toutes les études scientifiques nous le montrent. Hein. Aujourd'hui, on va plutôt vers des tenons qui sont courts et larges, un peu dans le style de l'endocouronne, hein, qui est capable de se maintenir uniquement dans une cavité pulpaire. Et ces tenons, en fait, ont aujourd'hui montré leur supériorité avec énormément moins de stress au niveau de la racine et donc beaucoup moins de fractures après 5, 6, 7 ou 8 ans.
Donc, ce sont de très bonnes solutions d'avoir des tenons qui sont courts et larges plutôt qu'avoir des tenons qui sont plutôt longs, comme on avait l'habitude de le faire à la fac. On avait toujours appris, attention, votre tenon, il n'est pas assez bien. Et vous avez même encore des dentistes conseils hein, qui vont vous dire, non, mais on a vu le travail que vous avez fait, c'est normal, ça ne peut pas tenir, le tenon est trop court. Alors, le tenon est trop court. Non, si une couronne ne tient pas, c'est rarement à cause du tenon trop court, c'est surtout une conception de la forme de la préparation qui n'est pas adéquate. Et surtout, on a vu beaucoup de choses comme ça, des inécors à clavettes hein, qui étaient extrêmement, à la mode pendant un moment. Et en fait, ces inécors à clavettes ont montré qu'ils sont extrêmement nocifs hein, à cause des forces qu'ils donnent dans chacune des racines. Et dans ces cas-là, de toute façon, le retraitement est quasiment impossible. Et quand vous avez même un demi-décèlement, ça pose d'énormes problèmes pour pouvoir réintervenir. Donc ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui à proscrire. Et de même que lorsque nous, on va choisir un système d'ancrage, il faut bien choisir le matériau. Pendant un moment, on a beaucoup utilisé les matériaux fibrés. Or, aujourd'hui, les études scientifiques les plus récentes nous montrent qu'avec le temps, ces tenons fibrés, quelle que soit leur qualité, ont tendance à se déliter dans la dent avec les différentes forces de mastication. Et du coup, vous avez des tenons qui, au lieu d'assurer en fait une rétention et d'aider la rétention, vont en fait poser des problèmes au niveau du collage général de la restauration. Donc, préférez quand vous le pouvez des tenons en titane. Titane sablé, ça se colle merveilleusement bien. Et l'avantage du titane, en fait, c'est que son coefficient d'élasticité pour un titane grade 3 est quasiment à quelques pourcents près l'équivalent du coefficient d'élasticité de la dentine. Donc, quand vous avez des forces latérales sur les dents, la flexion en fait, de l'ensemble tenon plus racine est cohérent et vous évitez en fait, des forces qui risquent de s'appliquer à l'apex du tenon. Donc, ça peut être très intéressant. Ce sont des très bons matériaux qui ne se dégradent pas du tout dans le temps et qui sont biocompatibles. Il s'agit de titane, le même qu'on utilise pour nos implants et qui permet d'avoir des très, très bonnes rétentions. On utilise donc les plus larges possibles, le plus court possible, et on est dans le paradigme actuel de ce qu'il faut lorsqu'on est obligé de mettre un tenon. Lorsqu'on a affaire à un ancrage radiculaire, même chose, on va avoir un petit peu un arbre décisionnel, on va avoir le nombre de parois résiduelles qui restent sur la dent. S'il n'y en a aucune, bah c'est même une contre-indication totale à réaliser une couronne, hein, parce que si vous réalisez même un inlecor sur une dent qui est parfaitement lisse, vous n'avez pas ce qu'on appelle l'effet férule, et du coup, c'est une contre-indication à la couronne qui, de toute façon, se décèlera extrêmement facilement. Et dans ces cas-là, on va préférer une chirurgie qui peut être une chirurgie d'élongation coronaire ou même un traitement d'orthodontie qui va permettre de tracter un petit peu la dent pour récupérer en fait, de l'ancrage et pouvoir réaliser une couronne traditionnelle. S'il ne reste qu'une seule paroi, on peut imaginer un inlecor ou si on a des systèmes de collage correct, même un tenon collé avec reconstitution foulée. Je vois qu'on me demande comment on peut coller le titane. En fait, le titane se colle merveilleusement bien à condition qu'il soit sablé. Donc, on utilise le mieux pour éviter la contamination lors du sablage, d'utiliser des tenons qui sont pré-sablés. Vous en trouvez énormément dans le commerce. Et ensuite, eh bien, vous utilisez un silane ou un primeur en fait, sur le titane et vous faites un collage classique avec, bien évidemment, éviter les composites de collage photopolymérisable, puisqu'il est vraiment compliqué d'aller photopolymériser au fond d'un puits de tenon. Préférez des duals qui permettent de donner, grâce à la lampe, un petit coup de photopolymérisation primaire, mais dont la polymérisation va continuer même en l'absence de lumière. Et ça se colle très bien. Moi, ça fait des années que je ne fais plus que des tenons titane collés. Et j'ai quelques décollements, bien sûr, comme tout le monde. Hein, celui qui n'en a jamais, il ne travaille pas. Mais franchement, ça devient extrêmement rare avec les systèmes de collage qu'on a maintenant. Deux parois, eh bien, on va essayer de faire une reconstitution foulée. Si on peut isoler correctement la dent, c'est idéal. Trois parois, reconstitution foulée avec ou sans ancrage même. Et puis, s'il en reste quatre, on oublie complètement l'ancrage. Donc, les principales difficultés et complications qu'on va rencontrer pendant nos traitements, puisque c'est un peu le but de notre conférence aujourd'hui, la première des complications, ça va être la vitalité immédiate ou à long terme, mais à moyen terme. Ce qu'il faut savoir déjà, on en reparle très rapidement parce qu'on l'a déjà vu, dans le cas d'une dent dépulpée, surtout ne faites rien sans avoir vérifié l'étanchéité et le côté correct de votre traitement. Il est quelquefois dommage de voir des très belles reconstructions qui ont été faites par des praticiens sur des traitements endo qui étaient
préexistants, donc ils ont une confiance dans le traitement d'eau qui paraissait correct à la couronne, à la radiographie, pardon, et puis de se retrouver à peine un an ou deux ans après avec des pêches radiculaires relativement importantes qui ne sont pas du tout en rapport avec le travail du praticien qui a fait une belle reconstruction, mais parce qu'il a tout simplement fait trop confiance au traitement radiculaire existant. Sachez que quand vous retravaillez sur une dent qui est mal dépulpée, vous allez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important de le répéter, vous allez en fait créer au niveau de l'équilibre instable qui s'est créé dans la dent un stress qui permet aux bactéries qui s'étaient plus ou moins mises en sommeil de recommencer une action de sape sur les tissus périapicaux. Donc la vitalité, ben, il y a des cas où très facilement, dès l'examen clinique, on sait très bien qu'on ne pourra pas la conserver. Là, on peut directement mettre dans le plan de traitement dévitalisation de la dent avant toute reconstruction. Ça, c'est les cas les plus faciles. Mais dans certains cas, on a une radio, on sait que à la radio, les tissus déminéralisés apparaissent un peu tardivement. Quand on voit ça, à l'apex, ça paraît à peu près correct. On se dit, ben, est-ce qu'on va pouvoir ou pas conserver la vitalité d'une telle dent? D'où l'énorme intérêt, lorsque l'on fait un plan de traitement, d'expliquer les risques aux patients. Oui, je vais essayer de reconstituer la dent, mais je ne peux pas vous garantir qu'on ne sera pas obligé de faire une dévitalisation. Et si vous l'avez prévenu en amont, le fait qu'au cours du soin, vous soyez obligé de lui dire « écoutez, je suis désolé, là, on arrive sur les tissus pulpaires, ils sont trop inflammés, un coiffage n'est pas réalisable, on va devoir dévitaliser », ce n'est pas une mauvaise surprise. C'est une mauvaise surprise pour le praticien et pour le patient, mais qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Elle a été envisagée en amont et c'est super important. Dans un cas comme ça, on s'est rendu compte qu'en venant le traitement, on s'est retrouvé avec une effraction pulpaire qui paraissait assez évidente à la radio, mais qu'on aurait peut-être pu éviter. Et dans ces cas-là, c'est typiquement une dent qui va être éligible à un coiffage pulpaire et qui va permettre d'être obturée d'une façon classique. Et on va voir tout à l'heure l'arbre décisionnel justement pour ce coiffage pulpaire, parce que c'est assez important. On en parlait. En cas d'effraction, en fait, il y a deux choses qu'il faut regarder. D'abord, est-ce que le patient était déjà en pulpite chronique et est-ce qu'il y avait une image radiologique apicale? Déjà, dans ces cas-là, on est dans un cas extrêmement défavorable pour un coiffage. Et si en plus, lorsque vous pénétrez dans la chambre pulpaire, vous avez un saignement et que ce saignement est difficilement contrôlable, c'est-à-dire que par une pression avec une petite boulette de coton pendant une minute, vous n'arrivez pas à le stopper d'une façon durable, ça veut dire que vous êtes dans un cas où il n'est pas nécessaire de tenter un coiffage pulpaire, il ne fonctionnera pas, ou alors dans un pourcentage de cas tellement ridicule que ce n'était pas la peine de le tenter. Par contre, si vous avez une pulpe qui au départ est atraumatique, si vous arrivez à avoir une bonne hémostase par une petite compression, comme je le disais, avec une boulette de coton, et qu'à la radiographie, il n'y a pas une image trop nette de quelque chose qui se passe au niveau du périapex, n'hésitez pas à faire le coiffage pulpaire. Le coiffage pulpaire, ben, la technique est relativement simple. Vous êtes en train de nettoyer la dent. Vous, quand vous vous rendez compte que vous commencez à aller un petit peu profondément, ben, vous allez dès à présent mettre en place votre champ opératoire, comme vous l'auriez fait en fait pour déjà faire la reconstruction. Donc, on met la dent sous champ et là, on va prendre une fraise stérile pour venir faire la fin de l'éviction carieuse. Et puis, une fois qu'on a bien nettoyé l'ensemble, on est avec une dentine qui est encore infectée, c'est-à-dire qu'au grattage à la sonde, vous sentez encore que votre tissu n'est pas minéralisé, mais vous avez éliminé le gros de la carie. Vous allez sortir votre biodentine et commencer à la préparer. Puis, avec la fraise boule stérile, vous allez bien nettoyer les tissus affectés, et là vous arrivez dans la pulpe, ne pas hésiter à venir un petit peu autour de cette pulpe pour bien gratter, bien éliminer les excès bactériens. Et puis on va placer directement au contact de la pulpe donc la biodentine. On n'hésite pas à en mettre une bonne couche. Et puis cette biodentine, on va la protéger, parce qu'elle met un peu de temps à durcir, on va la protéger avec un verionomère à prise rapide. On va vérifier d'avoir une occlusion correcte, surtout ne mettez pas trop en sous-occlusion. Il est inutile de faire perdre à la dent toute sa fonction. Il est préférable qu'elle garde une fonction pour bien cicatriser, mais éviter les surocclusions. Et puis, on va pouvoir patienter comme ça, vérifier radiologiquement et puis cliniquement comment la dent réagit. Et si la dent retrouve une symptomatologie, on va dire classique, c'est-à-dire une sensibilité au froid modéré, pas de sensibilité au chaud et pas de sensibilité à la pression, eh bien, on va pouvoir en fait retravailler cette dent, c'est-à-dire qu'on va éliminer notre verionomère, on va éliminer une partie de la biodentine en gardant vraiment bien la partie qui est au contact de la pulpe, ne pas hésiter à garder une bonne épaisseur de cette biodentine, et puis on va reconstituer cette dent classiquement par une restauration partielle, directe ou indirecte, selon le choix, mais on va pouvoir donc parfaitement stabiliser. Alors bien sûr, ça ne fonctionne pas à 100%, le coiffage pulpaire ne fonctionne pas à 100%, quelquefois trop de bactéries ont pénétré dans
dans les tissus pulpaires, et malgré le fait qu'il n'y ait pas une inflammation chronique et que vous arrivez à avoir une hémostase correctement, eh bien, votre pulpe n'est pas à même de venir cicatriser. Donc, c'est pas quelque chose qui marche à 100%. Il faut prévenir le patient que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de conserver la vitalité de la dent, mais vous ne pouvez en aucun cas promettre hein, sur ce genre de traitement avoir 100% de résultat. Mais on peut voir qu'à long terme, hein, sur des radios qui ont ici plus de 3 ans et demi ou 4 ans, celle-là, oui, c'est 4 ans de différence, eh bien, on a quand même quelque chose qui est tout à fait stable avec des dents qui sont atraumatiques, alors qu'on avait des lésions carieuses qui étaient vraiment juxtapulpaires et qu'au moment de la mise en place de la biodentine, on avait un petit doute sur l'efficacité du traitement. Alors, cette biodentine, ce n'est pas nouveau. Quelquefois, on essaie de vous vendre ça comme quelque chose de tout à fait nouveau. C'est juste une évolution des fameux ciments de Portland, pour ceux qui connaissaient. Donc, c'est vraiment du bicarbonate de calcium, de l'oxyde de zirconium. Et c'est vraiment la base, mais qui a été, on va dire, un petit peu travaillée, surtout dans la charge des différents composants, pour obtenir un matériau qui est relativement actif au niveau de la... au niveau des tissus pulpaires et qui permet d'obtenir une cicatrisation correcte. Il y a un codage pour le parage pulpaire. C'est le coiffage, donc c'est le parage d'une plaie de la pulpe. Il y a une cotation qui existe, elle n'est pas énorme. Quand on met les prix des biodentines, aussi pas mal diminué. Et ça permet quand même d'avoir pour le patient une cotation qui est opposable. Par contre, beaucoup de praticiens vont facturer en plus des actes qui sont autour, type radiologique. Mais en tout cas, vous avez déjà une cotation tout à fait réelle pour le coiffage pulpaire. Donc, c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter à le mettre en place. Ça rend beaucoup de services et ça permet de conserver des vitalités dans, on va dire, entre 75 et 80% des cas. Les actes qu'on peut coter en plus donc, sont des actes radiologiques. Et bien évidemment, l'ensemble de l'obturation qui va se faire par-dessus est coté à part également. Toujours dans cette volonté de garder au maximum la vitalité des dents, il y a le cas particulier des restaurations indirectes pour lesquelles il est extrêmement conseillé de mettre en place ce qu'on appelle un IDS. L'IDS, c'est l'immediate denting sealing, donc le scellement immédiat des tenons dentinaires, dont le but avoué en fait est de sceller avant même l'empreinte les tubuli dentinaires, donc la partie de la dentine qui a été mise à nu lors du traitement. Aujourd'hui, considéré encore comme le gold standard des produits pour le coiffage pulpaire immédiat, pour le coiffage dentinaire immédiat, c'est l'OptiBond FL de chez Kerr, un très vieux produit, mais aujourd'hui encore, l'ensemble des auteurs le donne comme le meilleur produit pour donc l'IDS, un produit qui a fait ses preuves depuis quand même pas mal de temps. Le protocole est assez facile. On va d'abord éliminer le smérailleur et puis on va appliquer une couche de chlorhexidine. On vous expliquera pourquoi. On ne la rince pas, cette couche de chlorhexidine, on la sèche seulement. Quand on dit chlorhexidine, c'est de la chlorhexidine pure, surtout pas celle du bain de bouche, qui est beaucoup trop grasse et qui empêcherait tout collage. Ensuite, on va mettre en place le primer de OptiBond. Et il est très important de frotter vigoureusement lorsque vous mettez en place le primer parce qu'il faut vraiment qu'il pénètre les tubes dentinaires, donc on frotte bien bien fort. Ensuite, on va le sécher légèrement et mettre en place le bonding. On le met essentiellement sur les surfaces dentinaires, en essayant au maximum d'éviter les surfaces donc amélaires. On va le polymériser et ensuite, avec une fraise douce, on va redessiner nos parois amélaires pour éliminer en fait la colle qui est restée sur l'émail puisque l'émail doit lui rester parfaitement nu. À partir de là, vous pouvez prendre votre empreinte. Les produits ne risquent plus d'agresser la pulpe. Vous pouvez mettre une obturation provisoire en place. Le temps que votre prothésiste vous réalise un onlay. Et puis, le jour où l'on est arrivé, vous allez pouvoir déposer votre obturation provisoire. Les tubuli sont toujours protégés par l'IDS. Vous allez réaliser un léger sablage pour éliminer en fait tout ce qui est résiduel au niveau de l'IDS. Et vous allez en même temps créer dans votre petite couche d'adhésif que vous avez mis sur la dentine eh bien, des légers micro-clavetages qui vont améliorer en fait le collage. Et puis, vous allez faire
un etching des surfaces amélaires, puisqu'on n'avait pas besoin de le faire sur la surface qui est déjà en résine, et faire le collage, en fait, tout simplement, de votre onlay. L'avantage, donc, de cette IDS, ce scellement dentinaire, c'est que vous allez, en fait, éviter l'agression des prolongements dendritiques, donc des cellules directement, hein, lors de l'empreinte, lors de la mise en place de l'obturation temporaire, lors de son retrait également. Ça limite énormément le risque de réaction pulpaire à court et à moyen terme. Et on a prouvé également que ça améliorait la qualité et la pérennité du collage. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter dès qu'on fait de l'indirect. Beaucoup moins intéressant au niveau du direct, parce que à partir du moment où vous avez fini votre restauration ou même en cours de la préparation, vous allez la plupart du temps poser la digue et donc vous allez protéger en fait de l'ensemble des agressions immédiatement par la réalisation de l'obturation. Donc son avantage est très inférieur. En revanche, dès que c'est indirect, pensez à l'IDS, vous allez éviter énormément de réactions pulpaires, quoi, énormément. Vous allez diminuer nettement le nombre des réactions pulpaires, surtout lorsque les cavités sont un peu profondes. Il y a un très bel article qui est paru récemment qui faisait une étude en fait horizontale sur plusieurs années, hein, sur l'étude justement de l'IDS et ses avantages. Et franchement, c'est paru en 2019. C'est un très bel article, je vous le conseille, et qui vraiment montre tout l'intérêt de cette méthode dans la reconstitution indirecte. Une fois qu'on a traité cette complication, qui est la vitalité, qui est quand même une grosse partie de ce que peut être nos complications, on va voir la pérennité de nos restaurations. Cette pérennité, elle va être essentiellement due à la tenue, à l'étanchéité et à la résistance structurelle de la restauration. On a une chance, c'est que tenue et étanchéité, généralement, dépendent de la même chose, c'est-à-dire la qualité du collage qu'on va réaliser. La résistance structurelle, elle est un petit peu à part. Notre grande difficulté en dentisterie adhésive, hein, c'est qu'on doit coller sur deux matériaux qui sont extrêmement différents. D'une part, l'émail, matériau qui est quasiment 99,9% minéral, avec un émail prismatique et un émail interprismatique, et puis une dentine qui, elle, est plus organique, qui est hydrophile, alors que l'émail est hydrophobe. Et donc, on va avoir un petit peu de difficulté à faire ce collage sur deux matériaux qui sont aussi différents que ça. On sait que sur l'émail, on arrive à avoir des bonnes valeurs d'adhésion. On est supérieur à 30 mégapascales, quel que soit le type de matériau qu'on va utiliser. Alors que sur la dentine, on a des adhésions qui sont quand même plus faibles, sauf si on utilise des moyens un peu spécifiques comme le laser ou des traitements préalables. Mais sinon, on a des traitements de l'ordre de 15 mégapascales. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on met beaucoup de matériaux dans la dent et qu'on le polymérise, on a une résistance lors de la polymérisation, une résistance au retrait, qui peut dépasser les 15 mégapascales. Donc, qui peut annuler l'intégralité de votre traitement dentinaire. Donc, si vous avez un traitement, une adhésion dentinaire mal faite et qu'en plus vous avez mis trop de matériaux, vous pouvez considérer à la fin de la polymérisation que vous n'avez plus d'adhésion dentinaire. Pour l'émail, c'est relativement facile. On sait qu'avec un mordansage pendant à peu près 15 à 20 secondes avec un acide orthophosphorique de 30 à 37%, un bon rinçage pour obtenir une surface presque crayeuse, on arrive à obtenir une très très bonne adhésion. Et quand on préfère les adhésifs de type MR, c'est-à-dire mordansage-rinçage, aux adhésifs de type SAM, pour système auto-mordansant, on a une meilleure adhésion, jusqu'à 50 mégapascales au bout de 24 heures. Donc préférez encore aujourd'hui les systèmes MR. Ne vous privez jamais de faire l'etching des surfaces amélaires et dentinaires. Ça, vous perdez beaucoup au niveau de l'adhésion. La dentine, c'est plus compliqué, mais il faut quand même faire cette préparation à l'acide orthophosphorique pendant un peu plus de 10 secondes, entre 10 et 12 secondes. Et surtout, il ne faut pas assécher la dentine. Parce que si vous asséchez trop la dentine, en fait, les fibres de collagène qui sont à l'intérieur des prolongements dentinaires vont se collapser et vous n'aurez pas une adhésion correcte. Il faut savoir que le collage d'un matériau composite à la dentine se fait par ce qu'on appelle cette couche hybride, c'est-à-dire en fait des prolongements de la colle la plus fluide qui arrive à passer dans les tubuli
et à venir faire à la fois une adhésion légèrement chimique, mais une sorte de clavetage dans ces prolongements dendritiques, dans ces tubules dentinaires. Donc, avoir cette couche hybride, c'est la condition sine qua non pour avoir un collage dentinaire correct. On arrive à avoir aujourd'hui des collages d'une telle qualité que dans un cas clinique comme celui-ci, où après élimination de l'ensemble des tissus carieux, je me retrouve avec une dent qui a une paroi extrêmement fine, mais si vous regardez bien la photo, une paroi fine certes, mais avec une zone amélaire ici qui est magnifique. Or, connaissant la qualité du collage qu'on peut avoir sur l'émail, eh bien, c'est quelque chose qu'on va surtout garder. On va pas éliminer cette paroi. C'est un cas que j'avais traité en CFAO direct, donc avec par empreinte optique, modélisation de l'onlay immédiatement. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer à quelle vitesse on est capable aujourd'hui de modéliser un onlay par les systèmes de CFAO. C'est en temps réel. Hein. En temps réel, vous pouvez avoir un onlay parfaitement dessiné en quelques secondes au niveau de la conception. Il y a très peu de retouches à faire pour avoir quelque chose de propre. Et dans ces cas-là, bien évidemment, le patient étant sous digue, hein, l'IDS n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de contamination. Le temps de fabrication d'un onlay de ce type-là est inférieur à 15 minutes. Donc, une fois que notre onlay a été joliment modélisé et fabriqué, on va le coller. On va utiliser dans ces cas-là, on laisse les coins de bois en place, comme ça m'évite d'avoir de la colle qui vient fuser de part et d'autre. C'est extrêmement facile à enlever. Et puis, on fait un polissage. Hein, c'est des onlays qui ne sont même pas glacés, ils sont juste polis en bouche. On fait un polissage et voilà ce que ça donne donc, le jour de l'intervention. Et suivi à 6 ans pour des patients qui ont des bonnes hygiènes et qui viennent faire leur détartrage régulièrement, vous voyez qu'à 6 ans, la paroi extrêmement fine, eh ben, elle a parfaitement tenu, hein, il n'y a aucun problème, on a une adhésion tout à fait correcte et donc une bonne protection de l'ensemble. Donc, n'hésitez pas à conserver vos surfaces amélaires, même fines, elles sont un avantage pour le collage énorme. La même mûre qui aurait été essentiellement dentinaire, là, j'aurais pensé à recouvrir parce que je n'aurais jamais eu la même adhésion. Quels sont les ennemis principaux du collage? Et donc, qu'est-ce qui risque de mettre à mal la pérennité de nos obturations? En numéro un, c'est bien sûr l'humidité. D'où l'avantage des systèmes de digue qu'on utilise actuellement aujourd'hui, qui permettent vraiment de travailler en l'absence d'humidité. Alors, ça peut être quelquefois un peu contraignant de mettre la digue, mais c'est un tel avantage ensuite au niveau des reconstructions qu'il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Le temps est inversement proportionnel à l'habitude qu'on a de le faire. Plus vous allez le faire, moins vous allez mettre de temps. Je vois une question là sur l'onlay qui était présenté juste avant. C'était un onlay céramique, ou tout à fait en céramique de type Vitamark 2, donc une céramique feldspathique pure. Donc, on peut faire de la pose de champ, que ce soit pour des dents plurales, quand on veut faire des secteurs entiers, ou même pour une dent unitaire. C'est quelque chose qui, quand on a l'habitude, ça se fait extrêmement rapidement. Il faut accepter de prendre l'habitude, mais il ne faut surtout pas hésiter de le faire. Et puis, pour certains cas, j'ai testé depuis quelques temps un système qui s'appelle l'ISOVAC, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un système en fait, d'embout spécifique qui vient se brancher sur l'aspiration avec une pièce à usage unique que le patient vient mordre d'un côté et de l'autre, en fait, il vient repousser à la fois la langue et la joue. Et le système de suction fait que c'est censé garder l'ensemble relativement sec. Alors, j'ai voulu faire des essais sur des petites obturations carieuses, vous voyez, qui sont relativement limitées. Donc, on fait la préparation et j'ai mis en place ce fameux ISOVAC. Et c'est vrai que j'ai eu le temps de prendre l'appareil photo, de faire la photo, de reposer l'appareil photo, de tout ranger. Et là, on voit parfaitement que l'émail qui a été bien asséché ne s'est pas réhumidifié. Donc, ça peut être une solution intéressante pour un collage, à condition d'être à distance du sulcus, parce que le sulcus, bien évidemment, va également nous ramener de l'humidité, à condition d'avoir su maîtriser le saignement, mais ça peut être une solution tout à fait correcte en fait, pour faire une obturation dans un milieu non humide, sans avoir à mettre une digue pour des petites obturations de ce type-là, si vraiment on n'est pas à l'aise avec la digue. Voilà ce que ça peut donner. Et ça, c'est quelque chose. J'avoue que je n'utilise pas très, très souvent l'ISOVAC, mais dans certains cas où les obturations sont petites et à distance, ça peut donner des résultats tout à fait corrects. L'autre ennemi principal du collage, c'est la boue dentinaire.
Alors, cette boue dentinaire, elle va nous embêter non pas au niveau du collage amélaire, donc pas au niveau de l'émail, mais au niveau du collage dentinaire. Voilà à quoi ressemble ce qu'on appelle le smearlayer, la boue dentinaire. C'est un ensemble, en fait, de bactéries, de débris organiques, de débris minéraux qui viennent en fait obturer nos tubulis. Et on se rend bien compte que si nos tubulis sont obturés, comment voulez-vous que notre composite de collage puisse venir pénétrer et créer cette fameuse couche hybride, hein, cette hybride layer, qui est absolument importante pour le collage et qui est même la seule composante du collage à la dentine. Donc, comment éviter ce smear layer qui vient vraiment diminuer énormément notre collage dentinaire? La première chose, c'est un sablage léger avec des billes d'oxyde d'aluminium entre 50 ou 37 microns. Hein, ce sont les deux diamètres que vous allez trouver le plus facilement. Bien sûr, il ne faut pas abuser sur le sablage. Ça va être rapide, ça va être bien sûr sous digue parce que les microbilles d'aluminium, ce n'est pas exceptionnel de faire avaler ça aux patients. Mais ça permet en fait de parfaitement éliminer le smearlayer. Autre chose qui élimine très bien le smearlayer, mais c'est justement l'acide orthophosphorique. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut absolument faire le mordançage des parties dentinaires également. Il doit être moins long, 10 à 12 secondes, avec le même acide, 30 à 37%. Mais si vous ne faites pas cette préparation de la dentine, vous n'éliminerez pas correctement le smearlayer et donc votre adhésion dentinaire sera extrêmement inférieure aux valeurs que le fabricant peut vous garantir. Autre ennemi du collage, les fameuses métalloprotéinases. Alors, les métalloprotéinases, ça, c'est un ennemi qu'un jour, on le dit, il est très mauvais. Hein. Le lendemain, on vous dit, ben non, finalement, il ne gêne pas tellement. Les articles les plus récents et la littérature nous dit qu'aujourd'hui, oui, les métalloprotéinases viennent gêner le collage, mais pas immédiatement. Elles apparaissent, en fait, dans les semaines qui suivent le collage et viennent justement dégrader la fameuse couche hybride dont on parlait, la couche qui permet donc l'adhésion dentinaire. Alors, ces MPP, c'est quoi? Ben, ce sont des enzymes, en fait. Des enzymes qui sont naturellement présentes dans la dentine et qui sont généralement inactives. Le problème, c'est qu'en milieu acide, elles se réactivent et de leur activation en résulte une dégradation de la couche hybride. Donc, en fait, manque de chance, hein, c'est en éliminant le smearlayer, ce qu'il faut absolument éliminer, qu'on va mettre de l'acide et cet acide va commencer à créer les MPP qui, elles, vont dans le temps venir dégrader cette fameuse couche hybride. Et d'autant plus que nos colles sont acides, et même si vous dites, ben non, finalement, je ne vais pas utiliser des chings sur la dentine, je vais juste bien faire un sablage pour éliminer ma smearlayer, et puis comme ça, je ne vais pas créer de MPP, et ben non, parce que même les composantes acides de la colle, et les colles sont toujours légèrement acides, et bien ils vont créer cette activation des MPP et venir poser le problème. Alors, comment éviter l'action de ces métalloprotéinases? Eh bien, il y a une façon très simple, c'est justement la chlorhexidine. La chlorhexidine, entre 0,2 et 0,5%, chlorhexidine pure, hein, on s'entend, hein, inhibe l'action des métalloprotéinases. C'est pour ça que quand je vous montrais le traitement IDS, je passe toujours en fait cette solution aqueuse à 0,2% de chlorhexidine pour pouvoir les inhiber. Alors, soyons clairs, est-ce que je le fais systématiquement? Non. Parce que je suis trop flemmard peut-être, parce que c'est un protocole de plus. Par contre, dès que j'ai un collage qui va être essentiellement dentinaire et où je ne peux pas compter sur de l'émail pour me garantir une étanchéité parfaite, dans ces cas-là, je n'hésite pas à augmenter mon collage dentinaire par le traitement à la chlorhexidine. Alors, vous allez me dire, ouais, donc, chlorhexidine à 0,2%, où on va encore trouver ça, c'est une galère pas croyable. Et surtout, attention, parce que la chlorhexidine, oui, ça élimine l'action, mais pas sur tous les adhésifs. Ça marche très bien avec les MR, ça marche plus du tout avec les SAM. Si vous utilisez un adhésif de type SAM et que vous avez utilisé de la chlorhexidine, les MPP ne seront pas inhibés. Donc, je vous disais, c'est dur à trouver. Non, j'ai fait la recherche pour vous. Vous avez un laboratoire qui vous vend des solutions de chlorhexidine à 0,5%. C'est des solutions ophtalmiques. Elles ont un truc qui est top pour nous, c'est qu'elles sont présentes sous forme de petits flacons stériles qui sont parfaits pour une utilisation. C'est des mini-doses, c'est des unidoses. Ça représente 0,25 € la dose, ce qui n'est pas bien méchant quand on voit les produits qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et ce qui vous permet d'avoir donc une solution toute prête, stérile,
qu'il n'y a plus qu'à mettre sur votre petit pinceau au coton pour venir frotter votre dentine avec, sans la rincer, juste en la séchant doucement. Donc voilà un produit qui est magnifique. Jusqu'à présent, je faisais fabriquer cette chlorhexidine par mon pharmacien qui, à chaque fois, me demandait à quoi ça me servait de faire du 0,2%, ça ne servait à rien, il ne voyait pas l'intérêt. Ben, aujourd'hui, voilà, je lui commande ça et c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, j'ai des unidoses. Donc au niveau contamination croisée, c'est beaucoup mieux que de devoir à chaque fois ouvrir un pot, en mettre un petit peu dans un godet. Autre ennemi du collage, la rétraction lors de la polymérisation. Vous avez vu, lorsqu'on a vu les chiffres, que finalement, au niveau dentinaire, la rétraction peut être quasiment équivalent à l'adhésion. Donc, il faut éviter au maximum cette rétraction. Je vous remets les valeurs, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, comment éviter cette rétraction? Ben, essentiellement, en faisant au maximum apporter des petites masses de composites à la fois, donc stratifier vos composites. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui est une méthode de stratification que j'aime beaucoup pour les dents postérieures parce qu'elle est rapide et elle vous permet d'avoir des morphologies très sympathiques sans perdre trop de temps. Alors, vous avez vu qu'on a fait, alors le film est un peu accéléré, mais on a fait l'etching en deux temps. D'abord, l'etching sur l'émail, on laisse un petit peu de temps, environ 15 secondes. Puis l'etching sur la dentine, on compte encore 12 secondes, on rince les deux. Comme ça, l'émail a eu 30, la dentine a eu 12, tout le monde est content. On rince bien. Là, je vais utiliser l'adhésif que moi j'aime bien. Donc, c'est de nouveau de l'Optibond Eiffel, donc avec un primer et un bonding. Donc, on applique bien le primer et vous voyez qu'on n'hésite pas à bien frotter notre primer sur la dentine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'elle pénètre cette fameuse couche hybride qu'on a nettoyée. Et donc, c'est vraiment mécaniquement qu'on arrive à faire pénétrer ce primer. Il faut vraiment pousser bien fort. On le sèche sans dessécher. Par contre, on insiste un petit peu sur l'émail. Et puis, on va mettre maintenant le bonding, donc le deuxième composant. On vient le positionner, toujours en balayant bien fort, on n'hésite pas. Ce n'est pas les quelques secondes de plus que prend ce balayage qui va nous embêter. On élimine les excès et on polymérise. Ensuite, on va commencer la restauration. Alors là, c'est pour faire le film. En fait, j'avais mis deux dents dans de la cire. C'est pour ça que je n'ai pas mis de coin de bois. Si j'avais mis un coin de bois pour faire un joli point de contact avec la cire, les dents se seraient écartées l'une de l'autre et j'aurais perdu tout ça. Donc, bien évidemment, cliniquement, on aurait dû mettre un petit coin de bois entre les deux. J'utilise toujours un composite fluide que je vais mettre au fond, au niveau de la dentine, avec une couche très fine. Et comme ça, déjà, je vais en fait créer une couche hybride, la protéger et l'adhésion suivante se fera entre composite et composite et non pas composite directement sur la couche hybride. Et donc, j'ai moins de risque de rétraction en fait, à la polymérisation. Et puis, je viens amener masse par masse. Et la technique, en fait, pour pouvoir aller rapidement, on amène d'abord la masse proximale et on élimine les excès. On lui donne juste vraiment la forme que l'on souhaite pour avoir cette crête marginale ici. On va la polymériser. J'utilise souvent des composites fluides, donc il faut aller assez vite parce qu'ils ont tendance à se déformer rapidement sous leur propre poids. L'avantage du composite fluide, vous allez voir, c'est que au niveau morphologique, on arrive à avoir des choses très intéressantes. Puisque là, je vais placer la première masse qui va en fait reconstituer ma première cuspide et le premier sillon. Donc on vient se mettre au niveau de la cuspide principale. On vient créer notre masse de composite. On élimine l'ensemble des excès et on va venir comme ça le photopolymériser en lui donnant vraiment cette forme de petit bulbe. Et même chose, on amène assez vite la lampe parce que le composite se déforme. Donc il faut à chaque fois venir bien le ramener. L'intérêt d'avoir un composite fluide, c'est qu'il va bien mouiller en fait le composite ultra fluide que j'ai mis au niveau de la dentine et donc je vais avoir une bonne adhésion entre les deux et surtout éviter en fait d'avoir de l'air qui vient se glisser entre les deux masses composites. Hop, on polymérise et puis on va faire la même chose pour la masse suivante et vous allez voir que naturellement on va créer les sillons en fait sans s'embêter à sculpter par le seul fait d'avoir mis des masses successives, les sillons vont se former. On perd un tout petit peu de temps lors de la mise en place du composite, mais par contre, après, on gagne énormément de temps lorsqu'il faut sculpter les morphologies. Donc, deuxième masse, je vais accélérer un petit peu le film. On met la troisième et la dernière.
À chaque fois, vous voyez, on l'applique, on ne cherche pas à venir la pousser, on vient juste créer ce bulbe. Et parce que le composite est fluide, il va venir lui-même refermer et venir tout doucement se joindre avec les autres. Et en fait, réaliser les sillons que normalement on aurait dû recreuser par la suite pour avoir une morphologie sympathique d'une molaire. Voilà. On va faire un petit polissage de l'ensemble. Et vous allez voir que la morphologie qu'on arrive à obtenir est quand même sympathique. On a presque l'impression qu'on est venu créer nos sillons, alors qu'en fait, c'est tout simplement les masses de composites qu'on a mis qui sont venues se rejoindre entre elles qui ont en fait créé cette morphologie assez naturelle. Donc ça permet à la fois de faire de la stratification, donc d'éviter d'avoir trop de composites à la fois et d'avoir des rétractions retraits, et en même temps de commencer à avoir une morphologie qui suffira un tout petit peu de retoucher au niveau occlusal, mais qui permet d'avoir quelque chose de sympathique. Dernier ennemi du collage, et pas des moindres, en fait, c'est le non-respect des protocoles de collage. On se rend compte énormément, et moi je vois avec les nombres de collaborateurs que j'ai pu avoir, que quelquefois, eh bien, ils se retrouvent avec un produit qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, mais ils l'utilisent comme celui qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et en fait, si les laboratoires s'embêtent à vous faire des notices pour chaque composite ou chaque type de collage, ce n'est pas parce que ça les amuse, c'est parce qu'en fait, ils vous mettent en gros les conditions optimum pour obtenir les valeurs d'adhésion qu'ils vous donnent ensuite sur l'ensemble de leur documentation. Et quelquefois, vous avez des temps, 15 secondes environ pour le séchage, pour le rinçage, tant de temps pour l'application. Et en fait, tous ces temps-là, s'ils ont été donnés comme ça, c'est que dans leur protocole, eux, ils ont essayé 2 secondes de moins, et puis ils ont fait les tests. Ah, la valeur d'adhésion a perdu 10 mégapascales. Bon, ben, on revient à celle de plus. On rajoute 5 secondes. On n'améliore que d'un mégapascal. Ce n'est pas bien, ce n'est pas marketing de mettre 20 secondes, alors on reste sur 15 secondes. C'est ça, en fait. Voilà comment une notice est faite, comment les valeurs d'adhésion sont trouvées. Donc, respectez un nouveau matériau, prenez le temps de lire et de vous faire un nouveau petit protocole, parce que pour chaque matériau, vous allez avoir des protocoles un petit peu différents. Et si vous ne les respectez pas, vous allez dire, je ne comprends pas. Avant, j'avais un super collage, et depuis que j'ai pris ce matériau-là, ça ne marche pas du tout. Ben, quelquefois, le matériau n'est pas moins bon, c'est juste qu'il a un protocole un petit peu différent. Les astuces qui améliorent le collage, on en a parlé, c'est le sablage. Pourquoi le sablage? Parce que déjà au niveau amélaire, il va permettre de créer des micro-cavités dans lesquelles le bonding va pouvoir rentrer facilement. Au niveau de la dentine, il va permettre d'une part d'éliminer une partie de la corrosion dentinaire qu'on peut avoir et d'autre part de bien éliminer le sperlayer. Donc surtout, n'hésitez pas à faire sur une dentine une micro-projection de billes d'alumine. Et sur l'IDS, on le fait, non pas dans ces cas-là pour éliminer l'IDS, hein, mais uniquement en fait pour éliminer les polluants qu'il pourrait y avoir dessus, et puis pour créer dans cette micro-couche de composite qu'on a mis en place des rétentions. Mais si vous le faites correctement, vous n'éliminez en aucun cas l'adhésif qui est au contact de la dentine. Une autre partie quand même non négligeable, c'est la résistance structurelle. Et cette résistance structurelle, en fait, eh bien, elle dépend du respect que vous allez avoir entre le choix du matériau et le type de préparation que vous allez réaliser. Chaque matériau a des impératifs. Et si vous ne respectez pas les impératifs du matériau, ben, vous risquez d'avoir des fractures. Que ce soit un composite stratifié, un composite usiné, une céramique usinée, une céramique chargée en leucite, une céramique feldspathique ou un zircone. Les données techniques de chaque matériau sont différentes et du coup, bah, votre préparation doit être un petit peu différente. Là, c'est donné à titre indicatif pour les matériaux que moi j'utilise le plus souvent en CFAO direct, c'est-à-dire essentiellement des céramiques et un petit peu de composite, les valeurs de résistance à la flexion et module d'élasticité qui vous dit un petit peu ce que vaut votre matériau en fait. Une bonne résistance à la flexion, ça va vous garantir en fait que le matériau ne sera pas cassable. Par contre, un module d'élasticité trop fort, ça va également vous dire que votre matériau il sera incapable de suivre les micro-déformations que peut avoir le substrat. Et donc, il faut trouver un matériau idéalement qui aurait une très forte résistance à la flexion,
comme l'émail. Hein, avec l'émail, on est pas loin de 800. Et puis, un bon module d'acidité, comme la dentine, où on est aux alentours de 12 ou 13. Et donc, dans ces cas-là, si on avait ce matériau idéal, résistance à la flexion très forte, module d'acidité plus faible, on aurait quelque chose de parfait. Aujourd'hui, on est obligé de faire des compromis. Et en fonction des matériaux qu'on va utiliser, bien, il faudra tenir compte de ces compromis. Par exemple, voilà une préparation classique qu'on peut faire sous microscope pour un onlay céramique. C'est de la céramique, donc il a fallu choisir tous les impératifs de la céramique. Les angles ici, les angles internes ici sont des angles arrondis. La céramique n'aimant pas du tout les angles vifs. Ici aussi, on a bien arrondi les angles. Par contre, l'ensemble des petits box sur lesquels il va s'appuyer sont le plus plat possible et on évite d'avoir des spicules d'émail qui vont rester et qui vont créer des contraintes et des stress sur la céramique qui risquent de la faire casser. Et puis, on respecte bien pour avoir une morphologie qui soit relativement propre avec un isthme entre la partie retenue et la partie retenante qui soit suffisant. Ça, c'est classiquement la préparation qu'on doit faire dès qu'on utilise de la céramique. Voilà, par exemple, un cas d'une fracture d'un onlay qui est un onlay en céramique qui s'est fracturé. Et si on regarde, en fait, c'est une fracture du box proximal qu'on voit très souvent hein, quand on fait des reprises. Très souvent, les praticiens en fait font des onlays céramiques et on se retrouve avec une fracture qui est à ce niveau-là. Là, on voit que ce n'est pas du tout l'isthme trop étroit qui a causé le problème. L'isthme est tout à fait correct. Ce qui a causé le problème, en fait, c'est la distance entre les deux dents comparée à la distance de la marge du box. Et les études cliniques nous le montrent, mais surtout l'expérience clinique nous le montre, si jamais cette distance B ici est supérieure à la distance A, le risque de fracture sur de la céramique est gigantesque. Et si on regarde le cas ici, vous avez une distance ici entre les deux dents pour récupérer un point de contact qui est très important et un box qui est ridicule. Et là, vous pouvez être sûr, un onlay céramique ne tiendra pas le coup, qu'il soit usiné ou qu'il soit réalisé par votre prothésiste. Dans ce cas-là, si vous ne voulez pas surpréparer, ce qui est tout à fait honorable, il faut changer de matériau. Là, il faut se dire, là-dessus, il faut quelque chose qui a un module d'élasticité peut-être inférieur, mais si possible, avoir un coefficient d'élasticité supérieur. Et dans ces cas-là, on va prendre plutôt un composite. Soit on est capable d'adapter le profil de la dent au matériau qu'on a choisi, soit il faut savoir revoir son choix au départ et dire ce serait dommage de délabrer plus la dent juste pour mettre le matériau que j'ai choisi. Je vais changer de matériau avec un matériau qui sera plus tolérant pour ce type de préparation. Autre cas de fracture qu'on voit assez souvent, c'est la sous-préparation des zones singulaires sur les couronnes unitaires qui sont tous céramiques. Et vous avez ce type de fracture. Vous voyez que l'important, vous avez un très joli bord autour. Hein. Mais dans la zone justement où vous avez le contact du bord libre de la dent antagoniste, vous avez une sous-préparation et la dent n'a pas supporté. Donc, il est important aussi, non seulement d'avoir des bons concepts de préparation, mais de voir un peu l'occlusion et les épaisseurs que vous allez avoir. Un autre cas assez classique d'une fracture d'un onlay en céramique toujours. Et là, vous avez tout simplement le problème d'un isthme entre les deux masses qui est tout à fait insuffisant. Et étant donné que vous allez avoir des tensions entre les deux masses, l'isthme qui les relie n'est pas suffisamment important pour gérer ce stress et ça va casser juste au niveau de l'isthme. Là, c'est un cas un peu particulier parce que l'onlay est toujours en place et vous avez en fait une fracture d'un pan de la dent qui était un pan résiduel de la dent qui a cassé. Et ça, c'est vraiment une erreur. C'est un de mes onlays. D'ailleurs, je prends l'erreur à 100%. C'est une erreur uniquement parce que je n'avais pas vu, à l'époque, je ne travaillais pas sous microscope, et je n'avais pas vu en fait, qu'il y avait une fêlure très importante à la base de cette paroi qui aurait nécessité de recouvrement de cette paroi. Et d'où l'intérêt d'avoir des aides optiques lorsque vous faites une préparation, ou en tout cas lorsque vous décidez la forme de votre préparation. Quelquefois, surtout pour des dents qui ont eu pendant très longtemps des amalgames, vous vous retrouvez avec des grandes fissures qui sont à l'intérieur de la dent. Et il faut savoir protéger ces zones fissurées en les recouvrant au maximum pour que lors des contraintes de mastication, vous allez avoir des forces qui vont agir en fait perpendiculairement à ces fissures. Toujours garder en tête hein, le principe de cuspide d'appui et cuspide de guidage. Et bien évidemment, si vous avez des cuspides d'appui qui sont faibles, n'hésitez pas à recouvrir. Dernier petit chapitre de notre présentation, on va essayer d'aller vite parce que je vois que j'ai un peu dépassé le temps qui nous était imparti. C'est la capacité à recréer en fait une intégration esthétique correcte et un vieillissement correct de nos reconstitutions.
Alors, bien sûr, l'esthétique, on ne va pas la gérer de la même façon si on a reconstitué une dent antérieure ou si on reconstitue une dent postérieure. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une bonne intégration esthétique, avant tout, c'est un bon choix de la luminosité. La luminosité sera le facteur principal de l'intégration. Si vous vous plantez sur la teinte et que la luminosité est bonne, déjà, ce sera propre. Si en plus, vous avez une luminosité et saturation qui est correcte, le choix de la teinte devient vraiment secondaire. Si les trois sont bons, là, vous avez une intégration qui est absolument parfaite. La luminosité, donc, c'est le premier facteur. Elle se définit comme la quantité de blanc qui est contenue dans la teinte. Et la meilleure façon de la voir, c'est de regarder un teintier de type 3D Master. Et en fait, sur un 3D Master, justement, parce qu'on sait que c'est la luminosité qui est plus importante, les teintes vont être classées par luminosité. Il faut savoir que moins la lumière est forte, mieux vous êtes capable d'appréhender cette valeur. Donc, quand vous avez un choix de teinte à faire, n'hésitez pas à éliminer votre lumière du jour, à éteindre le cyalithique et à regarder presque dans la pénombre, entre guillemets, hein, la dent du patient, parce que c'est là où vous verrez mieux, c'est les bâtonnets qui vont commencer à se mettre en place, hein, quand il n'y a plus de lumière, et c'est ces bâtonnets qui vont vous donner l'information sur la luminosité. Donc n'hésitez pas à ne chercher à voir la luminosité avec plein de lumière sur le patient, c'est vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver la bonne. Avec une photo en noir et blanc, on peut s'aider également. Vous faites une photo, vous la passez grâce aux appareils numériques en quelques secondes en noir et blanc. On voit un peu mieux parce qu'on est plus gêné par cet aspect de teinte. Avec des filtres polarisants, ça permet également de bien repérer cette valeur. Et c'est quelque chose d'important, donc de bien choisir cette luminosité. La saturation, elle, c'est le degré de teinte que vous allez avoir dans la dent, qui est normalement est croissant depuis le bord libre jusqu'au collet, donc le collet étant toujours plus saturé. Et la teinte, c'est le facteur le moins important donc, dans la réussite de la restauration, c'est la lumière, c'est la longueur d'onde qui va être absorbée, ou le type de longueur d'onde qui va être absorbée par votre dent. Quand vous regardez un teintier de type Vita, lui est classé en fait justement par teinte. C'est pour ça qu'il est considéré comme un peu obsolète, puisque la teinte est moins importante. Avec les teintes A qui sont dans le rougeâtre, brunâtre, les teintes B qui sont plus dans le rougeâtre, jaunâtre, les teintes C qui sont dans le grisâtre et les teintes D dans le gris rougeâtre. Voilà. C'est comme ça qu'il s'est classé. Par contre, si vous avez un teintier Vita au départ et que vous n'avez pas envie de sortir un Vita Master, et bien vous utilisez le classement que je vous ai mis en bas, qui est dans ces cas-là, une façon de classer votre teintier Vita par luminosité, la teinte la plus lumineuse étant la B1 et la moins lumineuse étant la C4. Lorsque vous choisissez une teinte aussi, et que lorsque vous devez faire une restauration, faites attention aussi au substrat. Vous n'allez pas traiter de la même façon si le substrat c'est un composite ou si c'est du métal, et encore moins si c'est du zircone. Ils vont vous donner bien sûr un résultat esthétique extrêmement différent, étant donné que les composites sont translucides, les céramiques, si c'est des céramiques pures, sont translucides également, même si on peut faire varier leur translucidité. Le substrat va jouer énormément dans l'intégration de votre restauration. Et puis, la position de la dent, une dent qui est plus vestibulée, va toujours paraître plus claire. Dans ce sourire, c'est assez évident, hein, on voit vraiment parfaitement que la dent la plus vestibulée nous donne une impression de clarté très supérieure. Pourquoi? Ben, elle prend plus la lumière que les autres, tout simplement, et donc elle apparaît plus claire. Le plus important, c'est lorsque vous faites des restaurations comme ceci, choisissez votre teinte avant de commencer à travailler. Quand vous allez travailler entre l'air de la turbine, le fait d'avoir mis la digue et l'aspiration, vous allez dessécher la dent, et une dent desséchée apparaît toujours plus claire qu'elle ne l'est en réalité. Donc vous allez restaurer une dent, et une fois que la dent sera réhydratée, votre restauration va vous paraître trop clair. Voilà, dans ce cas clinique, par exemple, où on restaure une incisive, on a bien choisi la teinte avant et on voit qu'en fin de traitement, on a vraiment l'impression que notre masse de restauration est trop sombre par rapport à la dent. Et puis, on reprend une photo une semaine après, la dent s'est parfaitement réhydratée et finalement, on se rend compte que la restauration passe totalement inaperçue. Pourquoi? Parce qu'en se réhydratant, la dent a repris un petit peu de, a reperdu pardon, la luminosité et finalement, s'est adaptée au choix qu'on avait fait avant que la dent soit desséchée. Alors, je reconnais que choisir une teinte, c'est extrêmement compliqué. Moi qui travaille beaucoup en CFAO, en plus, le choix des teintes n'est pas forcément évident. Et c'est là où justement cette compréhension de la luminosité va être très importante. Dans ce cas clinique, par exemple, où on va faire donc cette couronne en CFAO direct, donc voilà qui sort directement de l'usineuse. Elle va être retravaillée un petit peu pour marquer mieux ses sillons. Et puis, on va faire bien sûr un glaçage et un maquillage de la dent.
Mais ce maquillage, en fait, va tenir compte essentiellement donc des valeurs de luminosité. Et on va voir que quand on va intégrer la dent, une fois qu'on l'a mise en place, j'ai beau ne pas du tout avoir la teinte réelle de la dent, l'intégration esthétique se fait correctement, même si c'est loin d'être parfait, hein, se fait correctement parce que les zones de lumière ont été parfaitement reproduites. C'est la luminosité que j'ai reproduite, ce n'est pas la teinte. Et pourtant, vous voyez, malgré une erreur sur la teinte, l'intégration esthétique est tout à fait convenable. Le patient ne viendra pas vous dire, oh là, mais je veux pas cette dent-là, elle ne s'intègre pas du tout. Et pourtant, si vous allez prendre votre spectromètre et vous allez prendre la teinte de la dent, ce n'est pas la teinte de la dent à côté. Par contre, c'est la bonne luminosité. Autre chose aussi importante, c'est quand vous allez choisir une teinte à partir d'une céramique, par exemple, et que vous utilisez des onlays céramiques, vous allez pouvoir travailler votre teinte aussi au niveau du collage. Et voilà typiquement un onlay en toujours CFAO direct, hein, c'est ce que j'utilise le plus souvent au cabinet. Donc voilà l'onlay brut d'usinage, il est ni glacé ni poli, on fait juste son essayage, on voit qu'il s'intègre parfaitement. Et une fois la mise en place de la colle, il n'y a toujours pas de glaçage, il n'y a toujours pas de maquillage, c'est juste un polissage. Mais une fois la mise en place de la colle, eh bien ça fait un système cohérent où la lumière va passer. Il y aura plus cette zone d'air très légère qui existe entre l'onlay et la dent qui donne ce côté un peu sucre que l'on peut voir ici. La lumière passant d'une façon de nouveau homogène, elle s'intègre parfaitement. Donc attention de ne pas vous tromper dans la prise de teinte en ne tenant pas compte de ce que la colle peut vous donner aussi. Donc on sait que si la luminosité est bonne, on aura quelque chose de correct. Mais ce n'est pas forcément évident de bien voir la luminosité. C'est pour ça que depuis quelques temps, j'utilise un système d'une start-up française d'ailleurs, qui s'appelle le Répliqueur, qui est un système qui permet de faire une analyse spectrométrique réelle de la dent. Donc en fait, on vient prendre une photographie de la dent, mais ce n'est pas une simple photo, puisque ça va être une véritable analyse spectroscopique. Donc vous venez venir placer ce petit embout au contact de la dent. On appuie sur le bouton et en quelques secondes, vous avez en fait ces informations qui viennent, c'est-à-dire qu'en fait, une teinte générale pour la dent, une teinte donnée avec donc un teintier de Vitamaster, donc un teintier de luminosité, on est bien d'accord, hein. Ensuite, trois teintes en fonction de trois zones. Et puis, si on préfère, on va même pouvoir avoir plus de précision sur les teintes en fonction des différentes zones, jusque par aplat et même une translucidité de la dent par aplat. Alors, ça va être extraordinaire d'avoir ces informations-là en CFAO direct. Et ces informations-là, dès qu'on passe par un prothésiste, on va lui envoyer les masses de céramique qu'il doit mettre en place et à quel niveau on veut de la translucidité. Ça permet d'avoir des mimétismes qui sont assez exceptionnels. Et ça vaut le coup d'en parler parce que la boîte qui fait ça donc, est basée, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, ils sont en France. Et c'est un produit qui développe. Ça fait un peu moins de 8 mois que j'utilise. Avec 2 mois de confinement inclus dedans. Mais ça, vraiment, je suis très très satisfait des résultats. Et avec mon prothésiste, on a aussi des très très jolis résultats pour la reconstitution un peu complexe. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes de teinte, n'hésitez pas, c'est un très très bon produit. En conclusion, donc les principales complications qu'on va avoir, ça va être de conserver durablement la vitalité. Et on a vu qu'il y a pas mal de moyens qui permettent de nous éviter d'avoir de mauvaises surprises. On doit garantir une solidité structurelle. Et pour ça, n'oublions jamais qu'en fonction du matériau qu'on va travailler, on doit avoir une optique de préparation différente et il faut adapter son matériau au type de restauration. Garantir une étanchéité pérenne, c'est avant tout faire un collage de bonne qualité, donc sous champ opératoire, en utilisant les bons produits et avec les bons protocoles. Et puis rétablir l'esthétique, ça va être essentiellement un bon choix de la luminosité des produits qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, donc ainsi prend fin ma présentation. Je vais regarder un petit peu les questions et je vais essayer d'y répondre au mieux. On va sonner une bonne vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Romain, oui, je te vois. Ouais, merci Jean-François, c'était super intéressant. Je t'ai compilé quelques petites questions, si tu veux que je te les Ah ben avec pose, plaisir, je te si tu veux en remercie. reprendre, en tout cas, histoire que tu ne remontes pas jusque tout en haut, parce que il y a pas mal de questions. Tu as des petites questions au démarrage sur la biodentine. Est-ce Oui. que, donc tu as cité ce matériau, est-ce que tu as des matériaux alternatifs qui peuvent être utilisés? Alors, moi, je n'en utilise pas. Donc, j'utilise essentiellement la biodentine. J'ai des confrères qui utilisent encore le ciment de Portland, qui donne honnêtement de très beaux résultats. Et sinon, je sais qu'il y a d'autres matériaux sur le marché, mais que personnellement, je n'utilise pas. Donc, voilà, je ne vais pas vous donner des conseils sur des produits que je n'ai jamais mis en bouche.
C'est vraiment celui que j'utilise depuis le début et qui me donne des résultats que je considère comme satisfaisants. Combien de séances et le délai entre les séances quand tu utilises de la biodentine et avec ta restauration d'usage par derrière? Est-ce que tu attends un certain délai? Alors, généralement, moi, si au bout de, on va dire, 15 jours, avec le planning, c'est hélas plus souvent 3 semaines, quand je revois le patient, les signes cliniques sont corrects, c'est-à-dire que j'ai de nouveau, en fait, une dent qui ne présente pas de signes cliniques d'un début de pulpite ou même de signes de souffrance, je passe directement à une restauration définitive. Ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps. J'ai même dans certains cas où vraiment la restauration est facile à réaliser, ce sera juste un composite. Quelquefois, je le fais immédiatement, c'est-à-dire que je mets le verguenomer, je laisse le patient en salle d'attente et j'essaie de le revoir un petit peu après pour venir tout de suite faire la restauration définitive afin de vraiment avoir l'étanchéité maximale sur ma biodentine. Est-ce que tu utilises la biodentine en type sandwich ouvert, en cervical par exemple? Jamais, non, non, non. Moi, je l'ai vraiment toujours gardé en type très classique, c'est-à-dire proximité pulpaire, vraiment juste pour la partie où j'ai une mise à nu de la pulpe. Et dernière question, là, quand tu es donc en juxtapulpaire ou à exposition, est-ce que tu utilises quel protocole de désinfection? Est-ce que tu en utilises un? Je t'ai reparlé après de la chlorhexidine, mais dans le cas des MMP. Mais là, est-ce que tu utilises quelque chose de particulier? Là, j'utilise le laser Erbomiag en fait. C'est-à-dire, je fais une très légère irradiation au laser Erbomiag avec beaucoup d'eau, qui me permet en fait d'éliminer les bactéries sans créer d'échauffement du tout, et d'éliminer également autour de la cavité qui a été mise à jour, d'éliminer les résidus carieux qui peuvent rester vraiment en pourtour avec une évaporation réelle des résidus. En fait. C'est ce qui m'a donné aujourd'hui les meilleurs résultats. Une dernière question sur cette partie sur la biodentine. En termes de douleurs post-opératoires, est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce que c'est un précurseur de complications par ailleurs? Est-ce que voilà, tu as Alors, une moi, prise en charge j'aime à quand il y en a? considérer que quand le patient a des grosses douleurs suite au traitement, ça veut vraiment dire qu'on va avoir des problèmes par la suite. Généralement, au réveil de l'anesthésie, la dent est sensible au froid, mais n'a pas de sensibilité propre. Et chaque fois que j'ai eu des sensibilités importantes au réveil d'anesthésie, j'ai eu beau mettre le patient ensuite sous antibio anti-inflammatoire pour essayer de calmer la douleur, jamais on a eu des super résultats. Par contre, les résultats, quand le patient n'a pas mal au bout de 24 heures, ou que c'est juste une sursensibilité au froid, j'ai jamais eu de mauvaise surprise, ou quasiment, quasiment jamais. J'aime pas le mot jamais. Quasiment jamais eu de mauvaise surprise. Donc voilà, ça c'était toutes les questions que j'avais sur la biodentine. Ensuite, tu as eu pas mal de questions sur l'IDS. Oui. Notamment quels produits tu utilises pour l'IDS? Donc, comme j'avais dit, j'utilise essentiellement l'Optibond FL, qui aujourd'hui encore est le gold standard pour l'IDS, pour quasiment tous les auteurs. Tu sais que j'aime bien me balader un peu dans le monde entier pour aller écouter des conférences. Et où que j'aille, à chaque fois, l'Optibond FL revient sur la sellette comme étant vraiment le gold standard de l'IDS. Tu as eu une question, est-ce que l'IDS, ça s'élimine avant un collage, Surtout une pas. fois si Surtout tu es en pas. plusieurs séances? Surtout pas, on laisse l'IDS. Il faut juste, en fait, donc on va le décontaminer grâce au passage des microbes d'alumine. Et encore, ce n'est même pas une décontamination, parce que normalement, il n'a pas été contaminé. Il y a eu une obturation provisoire dessus. On va surtout éliminer en fait les résidus de l'obturation provisoire qui pourraient gêner le collage du composite sur le composite, et puis créer des micro-rétentions grâce aux microbilles d'alumine. Qui permettent d'améliorer encore le mouillage en fait de cette résine pour la résine suivante qui va aller dessus. Une question qui vient à la suite. Le sablage, si tu ne peux pas en faire, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais toutes les études montrent que ça améliore nettement, nettement l'adhésion. Si on ne peut pas faire de sablage, le conseil, c'est de faire un frottage de l'IDS. Avec d'abord de la chlorhexidine, de la sécher légèrement, et ensuite avec de nouveau du bonding pour pouvoir recréer l'adhésion. Et quelle temporisation tu conseilles avant le collage? Donc en interséance, il y avait une question, est-ce qu'on pourrait utiliser du Cavit, par exemple?
Qu'est-ce que tu On conseilles? peut utiliser le Cavit, même si ce n'est pas forcément le matériau d'obturation provisoire le plus sympathique. Il est un peu long à prendre et donc il risque d'avoir une mauvaise protection de la dent. Moi, je préfère des matériaux photopolymérisables qui restent en phase plastique, donc qui sont faciles à enlever. Sinon, on pourrait en tout cas la temporisation de l'IDS. Il n'y a pas de minimum. Je n'ai jamais vu dans la littérature un maximum tant que l'obturation provisoire reste étanche. Mais idéalement, c'est le temps pour le prothésiste de réaliser la pièce définitive. Hein. Ça va être une semaine, 15 jours. Voilà, j'ai rarement laissé en place plus longtemps. Quoique ce n'est pas vrai, parce qu'une fois, il y a des patients qui sont sous provisoire et qui oublient un peu leur rendez-vous pour le définitif. Et sur les quelques cas que j'ai pu avoir, ça tient très bien la route sur le long terme. Ouais. À condition que l'obturation provisoire tienne la route, bien sûr. Après, donc sur l'IDS, je crois que j'ai fait le tour de ce que tu avais eu comme question. Tu avais pas mal de questions après sur les MPP, sur la chlorhexidine. Est-ce que tu le réalises par exemple sur dents pulpées, sur dents dépulpées? Alors, Quelle sur dents différence? dépulpées, ça n'a aucun intérêt puisque les MPP sont synthétisés en fait par les cellules. À partir du moment où tu as dépulpé, il n'y a plus de cellules dans les prolongements dans les tubuli. Donc là, il n'y a plus aucun intérêt. Tu peux même faire un etching beaucoup plus long de la dentine. Sur dents pulpées, comme je l'ai dit, je l'utilise en fait pas systématiquement, mais chaque fois que mon collage est essentiellement dentinaire. Donc, je cherche à avoir un coefficient de collage vraiment important sur la dentine, parce que c'est là où je vais avoir le maximum d'adhésion. Tu avais aussi une question sur, sur l'ordre quand tu fais chlorhexidine, IDS, etching, désensibilisant. Est-ce que tu peux un petit peu redonner l'ordre avant un collage, avant un IDS? Tu as eu une ou deux questions sur cet ordre de passage, le Alors, sablage aussi, à cadre, voilà, est-ce que dans. Il y a dans l'ordre, en fait, il y a deux protocoles avec vraiment deux écoles différentes, mais qui se ressemblent quand même beaucoup. Le premier protocole, c'est de dire, j'ai fini ma préparation. Je vais faire mon etching dentinaire. Je passe la chlorhexidine que je frotte bien et que je sèche seulement. Puis, je mets en place mon bonding. D'accord? Ensuite, je fais mon obturation classiquement. La deuxième école dit qu'en fait, on passe la chlorhexidine avant de passer l'etching. Et les deux se battent à coups d'articles pour savoir lesquels ont les meilleurs résultats. J'avoue que moi, j'ai choisi etching chlorhexidine. Voilà, très franchement, j'avais fait une revue de littérature là-dessus il y a 1 ou 2 ans. Et c'était vraiment un statu quo parfait. Je pense que c'est vraiment une guéguerre de deux écoles qui n'a pas raison d'être. Voilà, je préfère faire d'abord mon etching parce que c'est acide. Comme ça, j'élimine l'acidité, ensuite je passe la chlorhexidine, mais rien ne prouve que c'est préférable à un protocole opposé. Ouais, je pense que c'était ça le sens des questions qui étaient posées. Dans quel sens on peut le faire? On te demande aussi le Répliqueur, oui. répliqueur. Où est-ce qu'on le trouve? Comment est-ce que De on peut se le mémoire, dire? il faut que je retrouve le devis dans mon ordinateur. J'avais, je crois, payé ça aux alentours de 2000 euros. Et je me demande si c'est pas. C'est-à-dire, c'est un de nos sponsors à la SOP. Je me demande si c'est pas Biotech qui fait ça. Il faudrait demander à Catherine, elle doit savoir ça, si elle est en ligne. Sinon, on essaiera de le remettre. Si ça fait Non, partie de nos sinon, je vais partenaires, appeler on le après. remettra sur le site de la SOP. On pourra toujours remettre C'est si on Boréa, par retrouve. contre, la société qui fait ça, c'est Boréa, et qui fabrique cette machine. Et je regarde rapidement. Voilà, il y a l'adresse qui a été publiée dans la conversation, boréa.dental répliqueur, si, pour les gens qui cherchaient. Voilà. Et Tu avais des questions sur l'isolite, Isolite, ouais. l'isolite de chez Henry Schein. Voilà, la marque, il y a plusieurs personnes qui Alors, posent. l'Isolite, c'est un système alors, qui est un peu compliqué parce qu'il y a un éclairage qui va avec. Donc, ça demande une modification de votre unité pour amener l'alimentation des LED. Moi, j'ai choisi un système beaucoup plus simple qui s'appelle l'Isovac, qui est en fait exactement l'équivalent. C'est les mêmes embouts que vous mettez dessus, mais il n'y a pas de lumière. Parce que travaillant sous microscope, avoir une lumière en plus qui vienne de mon système
d'isolation me paraissait absolument inintéressant. Du coup, c'est beaucoup moins cher, puisque c'est juste une petite pièce qui vient se clipper sur votre aspiration. Et ce qui peut rester onéreux, très franchement, je n'aurais aucune idée, il faudrait que je demande à mon assistante, c'est le prix des pièces uniques que l'on met dessus. Mais très franchement, c'est quelque chose qui rend beaucoup de services et je trouve que ça a tout à fait sa raison d'être dans un cabinet qui fait du collage, même si la digue est quand même préférable quand on est proche du sulcus. Je rappelle, hein, si on est trop proche du sulcus, l'isolite ou l'isovac ne sera pas capable d'éviter des remontées humides par le sulcus. Il faut vraiment être un petit peu à distance. En réfléchissant en post-Covid, là, on voit pas mal de choses qui ressemblent un petit peu pour l'aspiration et être au plus près d'aspiration des aérosols. Et je pense que c'est quelque chose qui va voilà, permettre de s'interroger sur Pense que le Covid, l'aspiration ça peut être plus très proche. intéressant pour toute préparation, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant de voir à quelle vitesse ce système d'isolation est capable d'éliminer tout ce qui est humide et qui vient dans la. Si vous passez un coup de turbine et vous enlevez la turbine, vous avez la dentine qui, l'émail pardon, qui a été traité à l'étching, qui redevient crayeux. Donc c'est la preuve que ça fait vraiment une dépression assez importante de l'air dans la cavité buccale. Il y a Bertrand qui te demande ce que tu penses des universels. Est-ce qu'on pourrait les utiliser parce que tu as préconisé les MR? Est-ce que les universels peuvent être maintenant intéressants et donner des résultats comparés à... Alors, les universels peuvent être intéressants si on considère qu'on va les utiliser dans le protocole MR, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains universels qui sont vendus comme des automates en sang. Et ça, il faut absolument éviter cette facilité de dire bah, mon adhésif est automordant en sang, je n'ai pas besoin de l'etching. L'etching va rajouter énormément. Très franchement, moi, je considère que quand on a un produit qui, en plus, est ancien, qui n'est pas hors de prix, et qui est mondialement connu comme étant un des meilleurs pour un protocole, je n'ai pas tendance à vouloir changer, même si tous les laboratoires viennent nous chanter les louanges de leur protocole suivant. C'est ce que je leur dis souvent, c'est qu'on est en fait le tampon entre eux, la recherche, et nous, le patient. Quand on a un protocole qui fonctionne bien, sur lequel on a beaucoup de recul, et qu'on n'a rien à lui reprocher, pourquoi prendre le risque d'essayer un nouveau produit qui peut-être va être moins bien? Et on ne voit pas en quoi il peut être mieux, puisqu'on n'a pas, on n'a pas tellement de problèmes avec ce qu'on utilise actuellement. Ouais, donc ce que tu dis, c'est surtout respect des protocoles et respect du C'est le plus protocole. important. Respect, Et et c'est la là meilleure où la façon de bien marge... respecter un protocole, c'est d'utiliser un produit qu'on connaît bien et d'éviter d'en changer toutes les 30 secondes, parce que même votre assistante, elle s'y perd. Si dans le tiroir, vous avez trois bandings différents et qu'elle vous en passe un différent à chaque fois, comment voulez-vous respecter le protocole? Donc avoir quelque chose de simple et des mêmes produits, ça facilite énormément les choses. Tu as des questions sur les composites fluides que tu utilisais. Je pense que c'est pour rappeler sur la démonstration. D'ailleurs, la démonstration tout à l'heure, tu la faisais sur modèle, hein, c'est bien ça, c'était pas en En fait, c'est projet. pour ça qu'il n'y avait pas de coin de bois, c'est pour que ce soit vraiment bien visible et que ça ne gêne pas. J'avais mis sur une petite plaque de cire dedans, parfaitement adaptée. J'avais mis l'ensemble sous le microscope. Et si j'avais voulu mettre un coin de bois pour faire un très très joli point de contact avec la fluidité de la cire, j'aurais eu les dents qui partaient chacun de ce côté. C'est pour ça que j'ai mis une matrice, mais qu'il n'y a pas de coin de bois. Parce que chaque fois que j'ai voulu filmer ça en bouche, en fait, il y a toujours le patient qui bouge un peu. C'est très désagréable à regarder après. Voilà pourquoi j'avais fait cette petite vidéo pour montrer ça d'une façon propre et claire. Le composite fluide que j'utilise, ce sont des composites de chez Ivoclar, leurs composites fluides, qui ont l'avantage donc d'être avec des seringues à embout jetable, ce qui peut au niveau aseptique très bien. Et j'en mets vraiment une petite couche hein, de l'ordre de peut-être même pas 1 mm d'épaisseur sur l'ensemble de la dentine, afin déjà de protéger ma couche hybride et d'éviter que si j'ai une légère résistance au retrait, elle se fasse en fait aux dépens de ma couche hybride. Tu as une petite question sur ce que tu as montré au tout démarrage sur les reconstitutions coronaraviculaires. Si on fait un pivot petit et large, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'enlever de la dentine périradiculaire saine? Est-ce qu'il vaut mieux pas rester le plus anatomique et voilà, est-ce que tu as Anatomiquement, des conseils? la chambre pulpaire et l'entrée canalaire, il y a souvent beaucoup d'isthmes, que ce soit dans les prémolaires ou même quelquefois dans les incisives. Vous avez à l'entrée en fait quelque chose d'assez assez large. Et si vous restez dans cette chambre pulpaire ou en tout cas dans l'entrée canalaire, vous enlevez quasiment rien en fait. Hein. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'endocouronne. C'est le principe de l'endocouronne. L'endocouronne, c'est de venir en fait se servir de la chambre pulpaire comme seul moyen de rétention. Ça se fait beaucoup sur les molaires. Ça permet d'avoir des systèmes qui sont très cohérents et qui fonctionnent parfaitement bien en pérennité. Moi, je fais ça depuis
J'ai commencé mes premières endocouronnes en 2004 et j'en ai pas mal dans la bouche des patients dès que j'ai une dent qui est très abîmée pour éviter un ancrage radiculaire et ça tient très très bien. Ouais, sur les endocoronnes, il y avait une demande si est-ce que tu as de la documentation à recommander ou un article qui te vient là, comme ça Qui vient en comme ça, tête? non, mais si la personne laisse son mail, je ferai une petite recherche rapide sur PubMed et je pourrais lui donner ça. Il y a beaucoup, beaucoup de publications sur l'endocouronne. Hein. C'est quelque chose qui a beaucoup de vent en poupe. Je vois que j'avais oublié quelques questions justement sur les C'est pas bien, tenosynthènes. Tu les Romain. procures où? Où est-ce que Dis-moi. tu les procures, tes tenons titanes? Les tenons titane, je les prends chez qui? C'est Pivomatic qui fait des tenons cylindro conique titane sablé. Voilà. C'était une des seules questions Parce qu'il y qu'en avait fait, là-dessus, chez hein, je crois. Pivomatic, vous trouvez tout, quoi. Toutes les marques concurrentes ont à peu près la même chose. Vous avez à la fois les tenons calcinables pour ceux qui veulent faire de l'empreinte, les tenons métalliques qui servent de transfert pour les empreintes, et des tenons titane qui servent pour la reconstitution directe et qui sont déjà pré-sablés. Qui sont même pré-traités pour le collage, mais je vous conseille quand même de remettre un primer d'adhésion dessus, comme le Monobond par exemple, qui va permettre d'avoir une bonne adhésion. Et très franchement, avec des colles, que ce soit le Relix Unicem, même des colles Dual, vous avez des excellentes tenues, des tenons titane sablés dans les racines. C'est vraiment parfait. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que si par malheur vous devez réintervenir, ces collages tiennent extrêmement bien dans tous les sens, sauf en rotation. Étant donné que le tenon est parfaitement cylindrique, il suffit de donner un tout petit coup en rotation pour réussir à faire céder la colle et à sortir le tenon si par malheur vous devez réintervenir. Qu'est-ce qui nous reste comme question? Référence de ton sableur et quelle taille d'alumine tu utilises? Alors, Tu la disais. sableuse que j'utilise moi, c'est le Rondo Flex de chez Cavo, mais il y en a, parce que l'avantage, c'est que ça se branche directement sur la turbine. Ça m'évite d'avoir encore un autre truc autour, entre le microscope, le CEREC, le laser, ça commence à faire beaucoup dans le cabinet. Et j'utilise en fait des microbilles de 37 et 50 microns. 37 essentiellement pour le traiter la dentine, 50 quand je traite les mailles. Super. Donc on n'a pas trop là d'autres questions sur le chat. Est-ce que on peut répondre peut-être à une ou deux questions en libérant quelques micros si on Avec veut? Je ne sais pas ce que plaisir. tu en penses. Ça doit faire presque 20 minutes que tu réponds à des questions. C'est toi Non, mais qui c'est décides. on peut attends, je vais juste libérer ça, répondre à quelques questions en direct sur le chat avec plaisir, oui. Donc, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Le Télio comme provisoire peut-il être utilisé après IDS, par exemple? Tu as une question Le là? Télio, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est un matériau qui est parfait pour faire du provisoire, que j'aime bien d'ailleurs. Voilà, j'ai permis aux gens, si quelqu'un veut poser une question, de réactiver vous-même votre micro et de poser directement la question. Comme ça peut être plus facile. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, on a encore deux webinars, hein, un le mercredi et un le jeudi. Alors n'hésitez pas. Et la pétition en attendant. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Est-ce que sur le. Tu avais une petite question Ah, bonne question d'ailleurs, parce qu'il y d'hypersensibilité. a une question que je vois apparaître sur la glycérine pour le collage. Alors, la glycérine pour le collage. La glycérine, en fait, le collage, ça sert à éviter d'avoir une couche périphérique qui soit en contact avec l'oxygène, donc dont la polymérisation ne soit pas parfaite. Il y a deux solutions. Soit vous utilisez de la glycérine, soit vous laissez un petit peu vos excès de colle. Et donc, c'est ces excès de colle qui vont se retrouver en contact et qui vont avoir une moins bonne polymérisation. Étant donné qu'ils seront éliminés ensuite lors du polissage, vous avez éliminé en fait l'ensemble de ce qui est mal polymérisé. Profite de remettre, de ne pas oublier la pétition en ligne. Et un petit peu de publicité pour. Le webinaire de la semaine prochaine. Donc, il y a un replay qui sera disponible. Je vois la question qui apparaît sur le Facebook parce que ça a été diffusé en même temps sur Facebook Live.
Donc, comme les trois premiers webinars, il sera accessible sur le Facebook de la SOP. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter. N'hésitez pas, on publie aussi régulièrement des informations sur le coronavirus, sur ce qu'on peut trouver en veille scientifique. Donc, n'hésitez surtout pas. Bien, mais écoute, s'il n'y en a pas d'autres questions, Romain, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Moi, c'est toi qui es le chef, qui dirige. Vas-y, hop, si je mets la sensibilité à quel moment je mets par rapport au sablage. Bon, mais écoute, voilà, si jamais vous avez des questions qui restent en point, n'hésitez pas à passer par le Facebook de la SOP, on y répondra le plus rapidement possible. Et puis... Il vous plaît ? Oui ? Ah, Jean-François, bonjour. Je n'arrivais pas à te poser cette question. Le tellio, tu sais, les matériaux plastiques provisoires avant la pose des inlays. Ces derniers temps, j'étais très déçue. J'ai changé plusieurs fois de marque. Je n'avais pas ce problème avant. Je pense que c'est depuis que je fais l'IDS, ils collent et je n'arrive pas à les décoller, à les retirer. Tu parles de tellio usiné ou de tellio… Non, tellio en cartouche, là, comme en composite. Ah, alors, moi, quand je disais tellio, je parlais du tellio usiné. Non. Utiliser un composite, même… Provisoire. Provisoire et peut-être pas forcément la meilleure des choses parce que tu as un très bon collage sur l'IDS. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut utiliser en provisoire pour, avant la pose de l'inlay? Alors soit tu peux utiliser, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est un matériau que vous connaissez tous, qui est bien ancien, ce sont les eugénates modifiées. Un eugénate modifié donne, qui a une prise rapide, donne une très très bonne protection. Par exemple, c'est quoi qu'est-ce que l'IRM. Tu achètes ça, le fabricant. L'avantage, donc, c'est que ça a un coût zéro, quasiment. Ça s'enlève assez facilement avec des ultrasons, ce qui évite de retoucher ta préparation. C'est quand même le but, parce que généralement, tu as pris une empreinte entre le temps, donc tu n'as pas envie d'avoir des petits hiatus entre ton intrado et ta préparation. Oui, et mais il faut faire une anesthésie dans ces cas-là. Alors, il faut faire une légère anesthésie. De toute façon, au moment où tu vas enlever ton provisoire et que tu vas faire un collage, puisque le collage, tu vas forcément devoir un petit peu abîmer, un petit peu en séchant. L'anesthésie est quand même préférable pour le confort de ton patient, donc il ne faut pas hésiter. D'accord. Et c'est pour ça que je fais de beaucoup, 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 quand c'est pour ça, et quand je dis beaucoup, 99,9% des restaurations directes en CFAO, parce que justement, je n'ai plus du tout ces problèmes de… Oui, c'est sûr. Et j'ai plus ces problèmes de temporisation qui, pour moi, étaient la plus grosse galère des restaurations partielles indirectes. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du duotemp qui, justement, est plus dur que le cavite, plus étanche que le cavite? Le duotemp, alors je l'ai essayé qu'une seule fois, donc je vais difficilement donner un avis. J'ai été quand même agréablement surpris par la consistance, en effet, et par le fait qu'il n'était pas compliqué à retirer. Ben oui, c'est ce que les endodontistes utilisent après une endo. Sinon, après, j'ai déjà arrivé d'utiliser un virionomère que tu mets vraiment, on va dire, entre guillemets, à l'arrache, c'est-à-dire, et qui finalement a une adhésion extrêmement moyenne, tant sur les DS que sur la dent, et qui s'enlève assez facilement. Et du cavite? Oui. Alors, le cavite, il a un tout petit problème, c'est qu'il a un phénomène de pompage au moment où il prend. Donc, il faut vraiment être sûr que dans ton IDS, tu n'as pas oublié une petite partie de dentine, sinon, c'est celle qui va s'ouvrir le plus. D'accord. Ou alors une petite boulette de coton sous un duotemp ou un IRM, ce qui permet de ne pas toucher au fond de la cavité. C'est peut-être possible. J'avoue que je n'ai jamais essayé ce genre de méthode. Pendant un moment, on avait un composite qui était extraordinaire, qui était un composite plastique, que je ne trouve plus d'ailleurs. Il faudrait que j'en trouve qui fabriquait ça et qui permettait en fait d'avoir un composite photopolymérisable mais qui gardait une face plastique, ce qui fait que quand tu plantais une sonde dedans, tu pouvais le retirer en quelques secondes. Il existe ça, toujours celui-là. Il existe toujours? Oui. Il s'appelle comment? Alors, c'était quoi? Je ne sais pas. Et ça, c'est pas mal parce que justement, l'étanchéité n'est pas exceptionnelle, mais la dentine qui est la plus fragile est protégée par l'IDS. Et par contre, on n'abîme rien en retirant. D'accord. C'est bien l'IDS en fait qui provoque ce collage-là
du matériau souple provisoire, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, l'IDS, c'est un composite, voilà. En fait, un collage composite sur résine, ça se fait très bien, ouais. D'accord, bah, c'est pour ça que j'ai ces problèmes récemment et qu'avant, je n'avais pas de problème. Et c'est pour ça qu'on dit que l'IDS améliore énormément le collage, parce que ça améliore même le collage du provisoire. Très bien. Une autre question, s'il te plaît, tu m'en veux pas. À quoi sont dues les sensibilités post-opératoires après la pose d'inlay ou même de composite, ça peut arriver, d'après toi? Alors, quelles peuvent être les causes? Ça, je veux dire, c'est te donner une cause, il y en a plein. Ça peut être des microbulles qui existent quelquefois dans ton obturation, qui fait qu'il y a un phénomène de pompage qui se fait quand le patient serre les dents, le composite ayant toujours une petite élasticité. Et il y a un pompage qui se fait au niveau du tubuli, donc ça peut arriver. Mm-hmm. Généralement, tu ne dois pas avoir ça si tu as fait un bon IDS, parce que justement, tu évites tous les pompages. D'accord. Par contre, ça peut être donc généralement, c'est au moment où tu as appliqué ton bonding au niveau amélaire, dentinaire, excuse-moi, au niveau dentinaire, où tu as des zones qui n'ont pas été parfaitement recouvertes et où la couche hybride s'est pas correctement faite. Et ça peut être à cause de l'absence de digue aussi, non? S'il y a l'humidité, bien sûr, ça joue énormément. On a montré que un collage fait en milieu un tant soit peu humide, en fait, ne permettait pas d'avoir une couche parfaite, en fait, une promiscuité parfaite entre l'adhésif et la dentine. D'accord. Il y a toujours un peu de gras qui provient soit de la salive, soit de l'humidité qui bouge. Et alors, en cas de phénomène de pompage, comme tu as dit, il n'y a plus rien à faire une fois que l'inlay est collé. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. J'ai eu le cas une fois, j'ai tout essayé et je peux te dire que la seule chose qui a soulagé le patient, j'ai cassé l'onlay et j'ai tout repris à zéro sur la même préparation et collage refait, c'était nickel. Donc, je devais avoir une petite bulle, j'avais dit une erreur dans mon IDS. Voilà. Très bien, je te remercie. Je t'en prie. Bonjour. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Oui. Au niveau de l'ordre, vous avez répondu par rapport à l'IDS, la corexidine, l'etching. Mm-hmm. Mais si on met un désensibilisant et si on sable, alors quel ordre respecter? Très franchement, si on fait un bon bonding, aujourd'hui, l'ensemble de la nomenclature, quoi, de l'ensemble des articles nous montrent qu'un désensibilisant n'a pas vraiment d'intérêt. Ah, d'accord. Donc, s'il y a des sensibilités et vous avez trop de sensibilité lors des collages, revoyez, un, l'étanchéité, deux, l'application du bonding sur la dentine. Non, je le mets dans le doute, en fait, le désensibiliser. Ouais, il n'y a pas d'intérêt, à part peut-être même limiter un tout petit peu la qualité du collage. D'accord. Donc, aujourd'hui, avec l'ensemble des composites qu'on a, du coup, de collage, hein, je parle des bondings, mettre un désensibilisant n'a pas grand intérêt. D'accord. Et le sablage, alors, dans quel sens, quand on met l'IDS, l'etching, enfin… Alors, si quand l'IDS est déjà fait ou avant de faire l'IDS? Pardon? Quand l'IDS est déjà fait ou avant l'IDS? On va considérer que l'IDS est déjà fait. Oui. Ben, si on revient, et je procède au collage. Donc est-ce que je mets l'etching? D'accord. Comment? On élimine la restauration provisoire. Oui, bien sûr. On fait un sablage rapide des surfaces dentinaires. D'accord. On je rince ou pas? Est-ce que je rince après le sablage? Pardon? Est-ce que je rince après le sablage? Oui, ah oui, il faut rincer. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des billes d'alimine qui restent au fond. D'accord. Parce que ça va compromettre bien le collage. Ensuite, on refait un etching des surfaces amélaires. D'accord. On rince bien. Et puis, on remet une couche de bonding sur l'ensemble, puis la colle. D'accord. C'est bien, c'est clair. Merci beaucoup. Une petite question sur l'universel. Qu'est-ce que vous pensez du scotch bond universel de chez 3M? Je l'ai pas mal utilisé à une époque. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai beaucoup plus de réactions secondaires avec le 3M que j'ai pu en avoir avec l'OptiBond. D'accord. J'ai éliminé il y a fort longtemps de mes tiroirs. D'accord. Au tout début, quand il est sorti, en respectant bien les protocoles, et je trouve qu'il est très agressif pour les tissus vivants. Parce que j'ai pas vraiment de sensibilité post-op avec, depuis que j'utilise, moi. Moi, c'était le contraire. Étrange. Mais, oui, étrange. J'ai trouvé que c'était un produit qui m'a pas convenu. Et pourtant, j'avais lu la notice, hein, je vous promets, je l'avais lu. Oui, j'en suis sûre. Merci. Et là, je me pose encore une question, c'est la chlorhexidine, je la mets à quel moment, du coup?
vous m'en avez pas parlé alors, avant l'IDS. Si l'IDS est fait, elle n'a plus aucun intérêt. D'accord, avant l'IDS. Parce que la chloridine, on le rappelle, elle est faite pour inhiber la production des métalloprotéinases qui sont créées par les cellules dentinaires. Étant donné que la dentine est déjà protégée par l'IDS, on peut le frotter aussi longtemps qu'on veut, il ne passera pas sur la dentine. D'accord. Donc, on le met avant la réalisation de l'IDS. Exact, c'est logique. Voilà. Est-ce D'accord. que vous pouvez nous donner la marque de votre lampe à photopolymériser? Moi, j'utilise, c'est la Vaillot, toute bête. Oui, d'accord. Voilà. Merci. Il y a une question de Annie qui levait la main. Est-ce que peut-être, je ne sais pas si on lui active son micro. Qui ça? C'est moi, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, moi, j'avais juste besoin d'une précision. Quand vous dites l'IDS… vous la faites au moment de la préparation avant la prise d'empreinte. Oui. C'est ça. On prend l'empreinte, on temporise et au moment du collage, on colle avec de l'OptiBond, mais qui a servi à réaliser l'IDS ou je Alors, vous pouvez mettre l'OptiBond ou un autre produit de collage parce qu'aujourd'hui, ils sont quasiment tous compatibles. Mais l'IDS, vous le faites avec l'OptiBond. Oui, l'IDS le fait avec l'OptiBond. Et c'est pour l'IDS que l'OptiBond est considéré comme un gold standard encore aujourd'hui. D'accord. Et après, vous, en l'occurrence, quand vous faites le collage du composite, vous réutilisez l'OptiBond pour le collage. Je réutilise l'OptiBond pour le collage. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, il sert deux fois dans le protocole. Mais je n'ai plus le primaire. Pourquoi ? Parce que ma dentine est déjà traitée. Donc, j'ai pas le primer de l'OptiBond, il sert en traitement de la dentine. D'accord. Donc, quand vous l'utilisez en collage, vous n'utilisez pas le primer. Exactement. D'accord. Exactement. Et ben voilà, c'est clair. Excuse-moi. C'est OptiBond solo ou OptiBond FR de chez Kerr? Les deux fonctionnent très bien. Moi, j'utilise encore le FL, mais le solo que j'ai pu utiliser m'a pas donné de résultat inférieur. Donc, les vraiment l'un comme l'autre sont parfaits. Comment vous dites FL? FL. D'accord. Le solo, en fait, a mis dans un seul produit à la fois le primer et le bonding. Le FL, c'est deux produits séparés. D'accord. Très bien, merci. Merci. Bon, écoute, Romain, je pense que nous allons rendre l'antenne. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Jean-François, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. C'était super. Je vous souhaite une bonne reprise à tous, en espérant qu'on puisse tous reprendre le 11. Oui, ouais. À la grâce de Dieu. Voilà. Ben, d'ici là, signez la pétition, comme ça, peut-être qu'on aura en plus des tests pour nos patients, ce qui permettra de travailler dans une plus grande sérénité. Oui. OK. Merci pour les astuces. Hein. C'était très bien. Ah oui, vraiment très bien. Merci à vous. Parfait. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous et à la semaine prochaine, en tout cas, pour nos deux prochains rendez-vous. Merci. Merci. Merci.